Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, le live vient de commencer. En fait, je me suis encore rendu compte. J'avais lancé le live côté OBS et pour une, je dis, c'est marrant, personne répond, personne n'est là, il y a des gens. Et je vois que le live n'a pas vraiment commencé sur YouTube. Je fais, bah oui, putain, quel con. Il faut faire lancer la diffusion. Je trouve ça toujours aussi con qu'on peut lancer côté OBS, mais que ça se synchronise pas avec YouTube. Il y a pas une synchro. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Je vais pouvoir refaire mon intro. Donc, bonsoir à tous. On est dans Manga sans live. J'espère que vous allez bien pour ce petit live comme tous les vendredis soirs pour terminer tranquillement la semaine. Salut Krill, oui, t'es le premier. Bon, après, vous n'êtes pas encore très nombreux. Là, je vois que pour l'instant, dans les paramètres, on est deux ou trois. Il y a 2-3 personnes en live. Bonsoir. Je disais, j'espère que vous allez bien dans cette fin de semaine qui était, en tout cas, en région parisienne, bien ensoleillée. Ça a fait du bien de finir la semaine avec un peu de soleil. Bon, ça fait 2-3 jours qu'il faisait quand même, il fait quand même plutôt beau. Là, je suis rentré du boulot, je suis allé faire mes courses en t-shirt. Il faisait beau, il y a du soleil. J'ai pas osé mettre les lunettes, mais j'avais presque envie de les mettre les lunettes de soleil tellement il faisait beau. Là, les beaux jours reviennent. Ça me donnait envie d'aller au cinéma et de rester enfermé dans le noir. Comme si je n'avais pas besoin de ça pour le faire. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien. Après les 2-3 semaines qu'on a eues qui étaient un peu plus vieux, bon, ça m'a arrangé un petit peu. Parce que j'ai pu avancer sur les vidéos, enfin, la vidéo Métabaron, qui n'a pas beaucoup avancé cette semaine parce que j'étais sur d'autres trucs. Mais j'en parlerai plus tard dans le live parce qu'on va revenir un peu là-dessus. La semaine dernière, alors est-ce que c'est à cause du titre qui n'est pas forcément putaclic, Hommage à Akira Toriyama, pourtant il était décédé déjà 2 semaines, on a fait de très bonnes stats. Il y a eu, je crois que c'est la première fois que j'ai eu autant de viewers en même temps. Alors est-ce que c'est le putaclic? Est-ce que c'est le fait que ça commence à fonctionner le live. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, la semaine dernière, j'avais regardé un petit peu les stats. Ça m'avait surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Que je retrouve une analytique de la vidéo. Je crois qu'il y avait. C'est ça, on est monté à 16. Et assez rapidement, hein, 16 au bout de 20 minutes de live. Ça fait plaisir. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. En tout cas, alors est-ce que ça va être. On va battre le record ce soir. J'y crois pas trop parce que, bon, Hommage à Akira Toriyama, ça fait quand même. C'est quand même une miniature, un titre relativement putaclic. Donc je sais que ça va être difficile de faire mieux. Voilà. Il y aura des films ce soir. Ce soir, il n'y aura pas de film. Il y aura deux focus. Un plus ou moins lié à un film. On en parlera un peu plus tard. Et après, voilà, film conducteur habituel, hein. On va parler des news, on va parler de mes achats, de mes lectures avec le marathon Garo, le marathon Dragon Ball. Et ensuite, il y aura les deux focus. Bon, je peux le dire tout de suite, hein. Il y en a un, bon, de toute façon, ils sont en couverture, hein. Le premier focus, c'est sur Subut. Attends, je vais peut-être mettre le chat. Le premier, ce sera sur Subutai, donc de Kazuhiro Fujita, donc aux éditions Mangetsu. Des filles? Ah, je sais pas s'il y aura des filles, hein. Non, voilà. Et moi je suis tout seul. Hein. Après, s'il y a des filles qui veulent venir, moi je dis pas non. Hein. Et l'autre focus, ça sera sur Les Fils d'El Topo. On va parler de cette petite BD. J'espère que ça vous plaira. Même si c'est pas forcément dans l'éditorial, on va dire, une chaîne dédiée manga. En tout cas, j'espère que ça vous plaira cette critique. Enfin, Subutai, je pense que ça va vous plaire. Ça, peut-être un petit peu moins. Que je sorte mes fiches. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre une news qui est un peu plus importante. Je sais pas si je vais la retrouver parce qu'elle est un peu sortie. Elle est sortie il y a quelques jours. Et si j'arrive à la retrouver. Ouais, non, je vais pas la retrouver tout de suite. Je vais essayer de la vite fait la retrouver. Oh bah tiens, voilà. Je suis désolé, hein, c'est comme par hasard. Le premier que je trouve, c'est une. Non, mais c'est même pas ça. Bon, bah, j'arrive pas à retrouver la dernière chose que je voulais, dont je voulais parler. Donc, oups, putaclic. Ah! Non, il n'y aura pas de.
On pourrait hein, faire du putaclic. Hein. Mais ah, c'est con, j'arrive pas à retrouver. Ah bah attends. Bon. Je pense que ça ressemble à ça. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Bon, on va peut-être commencer tout d'abord par les. Alors, oui, par les news. On va commencer le temps que les gens arrivent. Bon, de toute façon, les news, hein, c'est histoire de chauffer comme d'habitude. Hein. On va commencer avec les news. Plus ou moins insolites. Il y en a une ou deux qui est relativement insolite. Tout d'abord, bon, j'ai vu ça passer. Kiun annonce une édition collector Valalian The Black Iron. Donc après le tome 1 qui était aussi collector. Bonsoir Mokori. Donc je disais, Kiun annonce une édition collector pour terminer Valalian The Black Iron. Alors, ça m'intéresse pas plus que ça de prendre le collector, mais en même temps, il y a un one shot inédit de l'auteur qu'on retrouvera jamais. Donc je me dis, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? J'hésite. Parce que le problème, c'est que j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Et je sais que ces one-shots-là, on les retrouvera jamais, voire très difficilement sur des sites obscurs de scan. Donc pareil, moi je sais que j'ai acheté le tome 1 collector parce qu'il y avait un one-shot en plus. C'est un peu compliqué parce que il y a un peu le côté, j'ai pas envie de dépenser 12 balles pour une série qui va se terminer en queue de poisson. Mais en même temps, j'ai envie de posséder ce one shot que je retrouverai jamais. Donc je sais pas vous si vous êtes du genre à avoir envie. Attends, je vais terminer malin, je vais poster les news ici au fur et à mesure. Comme ça, ceux qui voudront les cliquer, ça m'évitera de les poster au fur et à mesure, de tout poster comme un bourrin en commentaire. Je vais les mettre ici au fur et à mesure. Donc voilà. Je sais pas si vous êtes impatient. Enfin, moi, je suis pas plus impatient que ça, parce que bon, je sais par rapport au tome 5 et de ce qu'on m'avait dit à l'époque. Je sens que ça va se finir sans vraiment véritable conclusion. Alors peut-être qu'après l'auteur reviendra sur la suite dans 10 ans. Je ne sais pas. Voilà, c'est un choix cornélien. Oui, je suis complètement d'accord, un choix cornélien. Parce que. C'est surtout. Putain, c'est 11,30 €. Le manga, à la base, il coûte 7 ou 8. On va dire, il coûte 8 euros. On te rajoute 3 balles. On va être d'accord. Hein. Le one shot, il fait 50 pages. Hein. Ça fait un peu cher les 50 pages. Et le pire, c'est que comme il est sous blister, tu peux même pas lire le truc avant pour te faire une idée. Donc t'es obligé de l'acheter et peut-être lire un one-shot de merde. Parce que celui du tome 1, je l'ai pas sorti. Je l'ai juste là. Putain! Il était, désolé, il était bien rangé. Voilà, c'était ce truc-là. Donc pour le tome 1, il y avait ça. Le truc, il est tout fin. Hein. Donc je pense que ça va être un truc. Alors, ok, couverture cartonnée, tout ça, mais c'était un one-shot qui faisait 50 pages à tout casser. Qui ressortira jamais. Je sais pas. Sans moi, en tout cas, ce qui arrive les prochains mois, j'ai d'autres priorités. C'est vrai que le truc aussi, c'est que le mois qui arrive, il est quand même assez costaud. En même temps, c'est le mois d'avril. C'est toujours un mois assez costaud. Et en fait, le truc, c'est que le mois de mai et juin, ils sont très calmes parce que les éditeurs, en fait, bloquent un peu leur grosse sortie pour Japan Expo. Donc en fait, le mois d'avril, il est relativement chargé, parce qu'en fait, ils sortent leur dernier truc, ils savent que mai, ils vont sortir quelques petites séries, juin, il n'y aura rien. Le juin, c'est le mois de repos, faut accumuler de l'argent, faut mettre de côté, parce que juillet, ça va être l'enfer. Comme d'hab. Juillet, c'est. Il y a toutes les sorties qui sortent en 10 jours. Les libraires, ils deviennent fous, parce qu'ils n'ont pas de place. Voilà. Ensuite, on a Naban qui a annoncé il y a quelques jours avoir atteint les 100% d'objectifs sur leur Kiss Kiss Bang Bang. Je vais le mettre là. Alors, ils en sont à combien maintenant? Ils en sont à 115. Et en fait, c'est un peu un choix cornélien. La commentaire, c'est devenu un piège à con. Oui, non, tu peux le dire con, hein, tu peux mettre le N, hein, il n'y a pas de souci. Juste pour finir les séries comme avec les séries Love XDMA, j'ai plaint ceux qui font les séries. Bah ouais, mais je suis d'accord. Et le choix, en fait, c'est. C'est pas un collector, mais le one shot il m'intéresse. Ah! Il y aura pas de Japan Expo cette année? Ah putain, pour l'instant j'étais sûr qu'il y avait Japan Expo cette année. Ah, c'est à cause des JO? Ils l'ont annulé? Ah putain, les couillons. Parce que j'ai cru encore voir passer comme quoi la billetterie était ouverte pour Japan Expo. Ah, attendu. Attends. Non, mais c'est peut-être vrai, hein. Après, j'avoue que je suis pas trop l'actualité de Japan Expo. Mais pour moi, il y avait une. 110 jours, bah si. 11 au 14 juillet, hein.
du 11 au 14 juillet, hein, c'est marqué hein, sur leur site, en tout cas, il y a une billetterie. Hein. Ah, oh, apparemment, il n'y aura pas de Japan Expo cette année. À cause des JO. Bah, les JO, ça commence un tout petit peu après, donc en théorie, ça devrait passer. Mais c'est vrai que si les deux se chevauchent, enfin, si les deux sont en même temps, j'irai pas, hein. J'ai pas envie de mourir. Le RER, il va être mort. Le RER, ça va être la fin du monde. À voir, JO Paris, début. Ça commence quand les JO de Paris? Le 26 juillet. En théorie, il y a 15 jours entre les deux, hein. On verra bien. Moi, pour l'instant, y a pas, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que, bah, comme d'hab, on n'a aucune info sur les invités. Alors ouais, il y a Yuji Kaida, mais voilà, pour les fans de Tokusatsu. Mais globalement, en termes d'invités manga, il n'y a rien. Donc moi, tant qu'il n'y a pas au moins un auteur qui m'intéresse, je réserve pas mon billet. Je spoil un peu les trucs. J'en parlais avec mon libraire, mais il savait pas plus. Bah ouais, bah, je pense que pour l'instant... Le truc, c'est qu'ils ont fait des lives, ils annoncent des trucs, donc... Pour moi, ils sont encore sereins, sauf si le gouvernement fait une mesure dans 2 mois en disant aucun rassemblement 15 jours avant les JO, un peu bah, comme on a eu avec le Covid, et là ils seraient un peu baisés parce que ils vont faire comment? Mais ça doit être maintenu. Pour moi, ça va être maintenu. En tout cas, les éditeurs, eux, ils se basent encore sur Japan Expo. Parce que pour eux, Japan Expo, il y aura. Donc, comme chaque année, le mois de juillet, il est ultra chargé. Ça, c'est un fait, incontestable. Donc je disais, Naban, j'ai posté le lien avant, ils ont atteint le 100% il y a quelques jours, le 19, donc il y a 3 jours. Et en fait, moi, je suis un peu dans un choix cornélien avec Naban, c'est que ils sont malins. On a une offre, on peut acheter le tome 1. On a une offre, on peut acheter le tome 1 et à rien. Une offre, on peut acheter les deux tomes, 50 euros. Mais on a aussi une offre, on peut acheter le tome 1 et le tome 2 et avoir une expédition tome par tome. Et après, on peut avoir l'intégrale de toutes les séries, etc. Alors après, ça monte. Et en fait, j'aurais en fait, moi, j'aimerais acheter les deux tomes pour les soutenir et être sûr que ça arrive. Le truc, c'est que, bon, il faut quand même payer les frais de port et ça fait un peu chier. Alors, je comprends que l'éditeur, ça lui, c'est pas gratuit pour lui d'envoyer les mangas. Mais le truc, c'est que, bah, entre faire ça et l'acheter en librairie. Il y en a un qui me coûte moins cher. Sachant que il y a l'expédition où tu reçois les deux tomes quand le tome 2 sort, ce qui fait que bah moi j'aimerais le présenter en live, le tome de Venus Wars. Donc après je pense que Naban on s'entend bien, je leur demande est-ce que tu peux m'envoyer le tome 1 en PDF? Je le lis en PDF, je vous le présente via le PDF, ça passe. Mais j'aimerais bien avoir le bouquin en physique pour vous montrer s'il y a des effets de couleur, etc. Ça serait quand même plus parlant que de parler du PDF. Et le souci, c'est qu'il y a quand même l'offre tome par tome, sauf que bah tu payes 13 euros de frais de port. Parce que bah forcément, ils te font payer un frais de port pour chaque tome envoyé. Ça me fait un peu chier. Donc je sais pas. Est-ce que je fais les deux tomes et je leur demande de me l'envoyer? Est-ce que... De m'envoyer le tome 1 en PDF pour que je puisse le lire? Et donc j'attends le tome 2 pour avoir tous les deux to les tomes en main. Je sais pas. Après, il faut voir l'évolution des objectifs. On verra quand on aura atteint le 200 parce que, bon, j'avoue, pour des ex-libris, je m'en fous un peu. Même le pin spécialisé, je m'en fous. En fait, en vrai, il y a le fourreau. Le fourreau, j'avoue que je serais tenté. Si on atteint les 500%, on s'en rapproche, genre, on est à 490, allez, bam, je mets l'argent et je m'en fous, j'ai le fourreau. S'il n'y a pas le fourreau, moi, j'avoue que j'ai pas très envie de. Enfin, c'est surtout que j'ai pas envie de payer des frais de port pour un truc que je pourrais. Ne pas payer avec tes frais de port, soit en l'achetant à Japan Expo, soit donc directement auprès de l'éditeur, donc ça reviendrait au même, soit en librairie, donc je ne sais pas. Oui, des multiples reports déjà pour juillet. Non, mais il y a des reports et c'est la base, hein. Chaque année, juillet, il y a toutes les sorties. Moi, je sais que à chaque fois, je vais avoir, moi, ce que je fais, avant Japan Expo, je vais chez mon libraire. Parce qu'en fait, mon libraire, il reçoit tout. La semaine de Japan Expo. Donc là, Japan Expo cette année, c'est du 14 au je sais plus combien. J'ai plus la date. J'ai plus les dates sous les yeux. C'est du 11 au 14 juillet. Lui, il reçoit le 10. Moi, j'y vais chez mon libraire. J'achète toutes les nouveautés qui m'intéressent. Moins 2-3 trucs où je me dis, ah bah tiens, il y a tel auteur qui vient à Japan Expo. Donc, je sais que sur le stand de l'éditeur, il y aura
dédicace en contrepartie d'un achat sur place. Donc pour éviter de me faire avoir, je ne l'achète pas chez mon libraire, j'achète directement auprès de l'éditeur. Et comme ça, moi je vais à Japan Expo, mon petit sac à dos, une bouteille d'eau, un sandwich, et puis basta. Et quand je repars, j'ai mon sac à dos qui est vide. Je repars pas avec 400 bouquins. C'est horrible de repartir. Déjà, bah, si tu t'achètes les mangas dès que tu arrives à Japan Expo, tu te trimbales toute la journée avec un sac à dos qui est rempli de mangas, et au bout d'un moment, t'as mal aux épaules ou t'as mal aux bras, et quand tu repars dans le RER, eh ben, t'as mal aux épaules, t'as mal aux bras, et il y a du monde qui te pousse et qui sent mauvais. Donc je préfère ne rien acheter pour être le plus léger possible. Ensuite, alors c'est une news japonaise, j'ai pas trié mes news, je suis désolé. Alors on nous apprend que Useki no Kuni, donc l'ère des cristaux, le chapitre final est sorti cette semaine, ou va sortir le 25 avril. C'est le 25 avril. Et donc je vois beaucoup de gens en commentaire qui disent quoi? 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 What? 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 Alors je ne sais pas où on est l'ère des cristaux. Je sais que le dernier tome qui est sorti en France, donc le tome 12, je dis pas de bêtises, le 12, c'est le dernier japonais aussi. On va revérifier avec Manga News. Excusez-moi. Cristaux. L'ère des cristaux. Normalement, le tome 12 qui est sorti il y a bientôt un an, c'était le dernier qui est sorti au Japon, parce que le tome 12 au Japon, il est sorti, alors lui il est sorti en 2022, donc ça fait presque deux, enfin un an et demi que c'est sorti au Japon, et depuis, pas de son, pas d'image, je sais que l'auteur ou l'autrice a eu des problèmes de santé, il y a eu des reprises, des arrêts, des re-reprises, des re-arrêts, c'était assez compliqué, et alors ça sentait comme l'arc final, on s'approchait comme de la fin par rapport à la publication française. Je ne sais pas si ce serait une fin en queue de poisson. Mais au vu des réactions des gens, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'ils sont tristes que ça se termine? Parce que je vois aussi un mec qui dit enfin, donc peut-être. Ou est-ce que ils sont choqués en disant, mais on était en plein milieu d'un combat qui allait durer 40 tomes. Pourquoi ça s'arrête que maintenant? C'est bizarre. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a. Alors, je vais appeler ça un bruit de couloir. J'ai vu quelqu'un qui disait. Alors, je n'ai pas écouté le live, donc je vais croire ce que dit la personne. Mais en fait, grâce à un space avec Mangetsu, on apprend que les deux recueils d'histoires courtes de Kazuhiro Fujita, donc le papa de ce petit truc, ce bouteille, donc qui sont Yuri no Uta et Akashi no Uta, ont été acquis par un éditeur, mais on ne sait pas encore le nom. Donc, c'est pas Mangetsu, parce que sinon, ils auraient dit on a acquis les droits. Alors, il y a deux, trois. Peut-être quatre éditeurs dont on peut supposer qu'ils ont acquis les droits. Il y a bah, pas Mangetsu, déjà, c'est pas eux. Peut-être Kihun, parce qu'ils ont les Christian, ils ont tous les Black Museum, mais je pense que le Black Museum, ça fonctionne pas de fou. Donc ils vont peut-être pas tenter le diable avec encore des one shots. Peut-être Mayan, parce que Karakuri Circus, ça a été un bon succès. En tout cas, c'était dans les trois séries qui sont le mieux vendues lors de l'année de lancement. Donc. Peut-être que c'est Meian. Après, il reste Pika. Et je pensais à Kaze Crunchyroll parce qu'ils ont sorti Moonlight Act. Mais en vrai, ils sont tellement plus dans le délire old school que ça peut être Pika en fait, ces trois-là. Donc pour moi, c'est Kihun, mais j'y crois pas trop. Meian, j'y crois un peu plus. Pika, parce qu'ils ont du pognon et qu'ils peuvent sortir tout et n'importe quoi. Après, je sais qu'il y a des bruits de couloir comme quoi ils ont. Comment ça s'appelle Ushio Totora, donc la première série longue de l'auteur. C'est des bruits de couloir, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Je m'en fous un peu. Ensuite, on a. Alors, c'est Kaiwei qui a retweeté un truc, donc je préfère, je le cite lui. Il y a des plein de chants qui commencent un peu à dépoussiérer, à découvrir, à nous montrer des joyaux un petit peu. Oublié et méconnu de Akira Toriyama, qui nous a malheureusement quittés récemment. Et donc là, en fait, on a des dessins qu'il avait fait pour une boutique de fringues à l'époque où, en fait, il n'était pas mangaka, mais il était juste illustrateur. Et donc, il faisait des designs pour des boutiques. Et donc là, on a une boutique d'un Indien. On reconnaît pas encore forcément le style de Akira Toriyama, mais voilà. C'est une news un petit peu insolite. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Avec cette personne qui l'a le republié, parce que c'est vraiment lui qui a déniché le tweet. Et c'est vrai que la personne a trouvé des. Enfin, si on commence à avoir des gens qui arrivent à déterrer toutes les œuvres de l'auteur d'avant Dr. Slump, ou toutes les illustrations qu'il a faites, c'est assez incroyable. Alors, on va rester sur Dr. Slump, parce que. Enfin, Dr. Slump, sur Akira Toriyama, parce que.
Bah voilà, et cette semaine il y avait un live Glénat, et ils ont annoncé, malgré le deuil de l'auteur, qu'ils allaient sortir une édition perfecte, donc le même format que les Dr. Slump ou les Dragon Ball Perfect, sans Land. Donc moi j'ai le manga d'origine, en sens de lecture japonais, donc on va pas perdre en sens de lecture, enfin on va pas gagner en sens de lecture parce que moi j'ai le sens de lecture japonais. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait des pages couleur. Donc en fait, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que je regarde, là, je vois aucune page couleur. S'il n'y a pas de page couleur, je vois pas trop l'intérêt de ne pas cette édition-là. En tout cas, je vais la garder, hein, c'est sûr. À voir ce qu'elle propose. Est-ce qu'il y aura des pages couleur? Est-ce qu'il y aura des bonus en plus? Je ne sais pas. En tout cas, bah, on verra quand ça sortira. Mais ça devrait sortir. Et on va rester sur Sandland. Parce que voilà. Les news sont bien faites. Cette semaine est sortie sur Disney+, l'intégrale, enfin dans les 7 premiers épisodes de Sandland, donc l'adaptation. Alors, je crois que si j'ai pas de bêtises, c'est l'adaptation en série d'animation du film qui est sorti il y a quelques temps au Japon. Ah oui, pourvu que Glass fasse tout. Bah oui, alors moi j'ai aussi. Merde, il est où le troisième? Ah. J'ai aussi Kowa et Kajika. Bah j'avoue que. Alors autant. Je m'en fous un peu parce que je crois que c'est pour Kajik. Non, c'est pour Kowa. Kowa, on a les pages couleurs au début. Donc en fait, ça me dérange moins parce que Kowa, j'ai les pages couleurs. En fait, à part le grand format, je m'en fous un peu parce que on a le sens de lecture japonais. Après, si on a une retraduction, une explication sur certaines blagues, je suis preneur. Mais c'est vrai que le sens de lecture est le bon. C'est juste le format. Après, c'est vrai que bah, tout le reste, c'est en grand format parce que les Jaco, les Katsura Akira et les comment s'appelle Nekomajin, ils sont en grand format. Donc j'aurais quasiment toute la collection d'Akira Toriyama en format de luxe. C'est appréciable. Donc je disais, l'adaptation animée de Belzébub de Sandland s'est sortie. Donc si je dis pas de bêtises, là je dis avec de grosses pincettes, c'est censé être l'adaptation en série, donc découpée en épisodes. Donc, du film qui adapte le manga, dont on a parlé récemment, juste avant, celui-ci, mais qui en plus, qui a des scènes en plus, il y a des personnages en plus, je sais qu'il y a un ange en plus, etc. Alors, je ne l'ai pas encore regardé, puisque je suis en train de regarder Avatar. On en reparlera plus tard. Comme j'ai dit, j'ai vu la série live, derrière, je me suis enchaîné l'animé, et c'est trop bien. L'animé Avatar. Mais pour la présentation de la collègue, je suis complètement d'accord. Non mais je suis une grosse salope, je sais que je vais les acheter juste pour l'harmonisation de la collection. Je garderai sûrement l'édition d'avant, je les mettrai comme les pastels je les vendrai jamais. Je les mettrai dans un carton, ils seront sous mon lit, ils prendront pas la poussière, ils prendront pas l'humidité. Je les aurai pour toujours, jusqu'à la fin de ma vie, genre je me ferai enterrer avec. On va créer un drakkar immense quand je mourrai, on mettra les Dragon Ball pastels et je brûlerai avec le drakkar et les mangas. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, et donc sans l'an, bah, je regarderai sûrement la série, je vous ferai peut-être un avis dessus, je sais pas. Je vais peut-être attendre que la série soit complète sur Disney+ pour tout regarder. Alors, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de VF, il n'y a qu'une VOSTFR, ce qui est un peu dommage parce que pour moi, ça reste comme une série pour les jeunes. Alors même si je crois qu'il est PEGI 16, alors moi je ne comprends pas pourquoi. J'ai pas relu sans l'an depuis longtemps, mais de mémoire, il n'y avait rien de choquant ou rien de plus choquant que dans Dragon Ball. Ou Dr. Slump, peut-être parce qu'on a une figure d'un démon, d'ange, etc. Est-ce que c'est pour se prémunir des futurs parents chrétiano, crétins, américano, puritains? Je sais pas. À voir, peut-être que la série est beaucoup plus violente, beaucoup plus sexuelle, je ne sais pas. En tout cas, quand la série sera complète sur Disney+, ben je la regarderai et je vous en parlerai. Oui! C'est PEGI 16, il y a même le regard, on le voit ici, avec contrôle parental. Je sais pas pourquoi. Après, c'est, moi, je suis complètement d'accord, hein. Ça se trouve, c'est juste pour éviter les frictions avec les puritains américains qui vont dire: Oh là là, je ne veux pas regarder cette série à mon enfant parce qu'il y a un petit démon qui fait des bonnes choses. Oh là, mais c'est contre la Bible. Voilà, je suis sûr et certain que c'est pour ça. Donc, je voulais juste en parler. Je crois qu'en plus, il faut un abonnement adulte, ou il faut un compte adulte sur Disney+, pour pouvoir le regarder. Donc, on reste sur Disney+, parce que j'ai vu une annonce comme quoi les 18 œuvres, donc les films Macross, allaient débarquer sur le Disney+ japonais.
et peut-être dans le reste du monde courant de l'année. Alors Macross, je connais pas plus que ça. Je sais que c'est une grosse licence de films de. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que je connais pas du tout la licence, je sais que c'est du méca. Il y a des histoires de batailles spatiales, de vaisseaux, mais en même temps, il y a un délire musical. Je partage le lien ici. Mais j'en sais pas plus. Je n'ai jamais vu un seul film, un seul épisode. Je sais pas si ce que. Mais je sais qu'il y a un délire musical. Je sais qu'il y a tout un délire où il y a des passages chantés et musicales. Musicaux. Passages musicaux. Ouais. Des chacals, des chacos. Et Macross, voilà, je connais pas plus que ça. Et je sais qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de films, beaucoup d'OAV. Je sais pas si c'est des séries aussi, mais voilà, c'est un truc que je suis complètement passé à côté. Mais Macross, ça reste un univers qui a l'air assez foisonnant. Mais j'en sais pas plus. Ouais, il y a une, deux, trois, quatre. Mais pour moi, il y a un délire musical dans Macross. Hein. Macross est de son nom, Madame Macross. C'est une série japonaise d'animation de science-fiction méca de 30 épisodes créée par Nanana. La série est devenue avec le temps une franchise autour de laquelle gravitent diverses suites et préquelles. Ouais, mais c'est voilà, c'est le genre de truc où il faut que je tombe un jour dedans. C'est comme Gundam. Gundam, je suis tombé dedans. Donc ça va, maintenant je maîtrise le truc. Autant Macross, pour le moment, c'est un peu compliqué. Il y a quand même beaucoup de séries. Ça fait un peu peur. C'est un peu touffu. Ensuite, bah, Mokori, ça va te faire plaisir. On a eu une. Alors, il y a eu une bande-annonce, une nouvelle bande-annonce, je crois, du film City Hunter qui sortira sur Netflix, donc qui sort pour le 25 avril. Bah, je vais pas le poster parce que la semaine dernière, j'ai posté un extrait de Jodorowsky Dune qui est sur YouTube, gratuitement. Je me suis pris un strike de YouTube. Alors, pas un strike. Ils m'ont juste dit ta vidéo, on la monétise pour nous. Je fais le film, il est gratuit sur YouTube? Je vole qui? Arte? Arte, ils le mettent gratuitement! Donc, bon, j'ai pas voulu chercher, je m'en fous, hein, je suis pas là pour gagner de l'argent. Donc là, je vais pas passer la bande-annonce, mais voilà. Elle est disponible sur YouTube, elle est disponible sur le lien que j'ai envoyé. On verra. Moi, depuis qu'on est. Alors, ça a l'air quand même plus japonais, japonisant que le film de Philippe Lachaud, qui était quand même plus. Nicky Larsonesque que City Hunteresque, à voir. Voilà, à voir. Mon foire, il a Netflix, je piquerai son compte, je materai les épisodes, et enfin le film, et on verra, peut-être qu'on en parlera. Ouais, par contre, oui, j'ai entendu dire, alors j'ai vu une histoire comme quoi les sous-titres, ils allaient garder les noms français, ce qui est complètement débile, mais en même temps, le film City Hunter d'animation qui est sorti il y a quelques mois, ils avaient gardé les noms français pour la VF. Donc ça me choque pas tellement, mais c'est assez bizarre et assez anachronique aujourd'hui de se dire tiens, on va encore sortir les noms français. Alors j'avoue qu'il y a un petit côté nostalgique. Moi je sais que quand ils avaient sorti la série Captain Tsubasa, c'est la version David Production, donc plus récente, quand j'ai vu les. Désolé, je me sers à boire. Quand je me suis dit, tiens, j'espère que la VF, ils vont garder les noms français. Genre, juste par un peu un côté nostalgique de d'entendre Olivier Hatton, Mark Lambers. Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais ça, c'est des noms d'un autre temps. Peut-être qu'on devrait passer à autre chose et pas garder cet héritage du passé où on donnait des noms franchouillards, bien de chez nous, aux personnages d'animés japonais. Même si certains avaient des noms pas du tout franchouillards, hein. Julian Ross, il était clairement espagnol, hein, il n'était pas du tout français. Hein. Ensuite, alors, news assez insolite. Je vous traduis ça avec Google Trad. Il va y avoir un parc d'attractions à thème Dragon Ball en Arabie Saoudite. Ça n'a pas planté. Je n'ai pas planté. Je répète, il va y avoir. Un parc d'attractions à thème Dragon Ball en Arabie Saoudite. Voilà. C'est assez insultant. Je crois qu'il va faire. J'ai vu un truc qui va faire 500 000 mètres carrés, un truc comme ça. Alors, on reconnaît la tour Karine, la tour du muscle, le dragon, le palais du Tout-Puissant, le Tenkaichi Budokai, la maison de Kame Sennin. Là, on voit la maison de Mamie Voyante. Ouais, on reconnaît tous les lieux assez emblématiques de Dragon Ball. Alors là, c'est une image d'une projection.
Et il y a même le désert où ils se battent derrière. Mais ouais, alors est-ce que ça va vraiment ressembler à ça ou c'est un truc hyper cheapos? Je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai vu aucune image. Il n'y a que ça, il n'y a que de projection. Mais voilà, c'est assez déroutant de se dire qu'on va voir ça. Alors en Arabie Saoudite, j'avoue que j'ai pas forcément envie de partir dans ce pays pour aller voir un parc à thème Dragon Ball. J'aurais préféré que ce soit au Japon, ou en Chine, ou en Corée, ou en France. Voilà. Mais ouais, assez particulier cette news. Et la dernière news de la soirée, c'est. Alors, j'ai pas retrouvé la news d'origine, donc je vous poste ça. Il y a eu un message de Akira Toriyama. De Eiichiro Oda qui prenait une pause de 3 semaines. Donc il a dit: je fais une pause de 3 semaines, je ne suis pas malade ou quoi que ce soit, mais si je suis sûr que je vais m'inquiéter excessivement mes lecteurs ces jours-ci à cause de la mort de Toriyama Sensei. Il s'agit de mon corps, considérez-le simplement comme un entretien, je dois aussi réfléchir à ce qu'est le One Piece en tant que trésor, je suis occupé. Alors je sais que c'est inquiétant, surtout quand il dit ça 2 semaines après la mort de Akira Toriyama, et moi je le disais, je suis assez. Méchant en disant ça, mais pour moi, Eiichiro Oda, par rapport à son train de vie, on en parle la semaine dernière, où il y a beaucoup de mangaka qui perdent 10 à 15 ans d'espérance de vie par rapport à la moyenne japonaise, à cause de ce train de vie on dort 3 heures par nuit, on fait très peu d'activité, on mange très mal, etc. On se tord le dos à faire des dessins, on se pète les doigts, etc. Lui, ça fait quasiment 30 ans qu'il a un rythme de vie où il dort 3 heures par nuit, un truc comme ça. Moi, je suis assez catégorique sur le fait que Oda, il va livrer la dernière page de One Piece, il va claquer le mois suivant, ou dans les mois qui viennent. Il va pas vivre très vieux, en tout cas, ce monsieur. Donc c'est vrai que c'est inquiétant, tu te dis, putain, j'espère qu'il a pas un problème comme Akira Toriyama Sensei, qui va nous casser dans les pattes, sachant qu'en plus, bah ouais, on a toujours pas la fin de One Piece. Autant Dragon Ball, c'est terminé, maintenant on a juste des suites avec Super, on peut les considérer plus ou moins importantes, moi je m'en fous un peu de Super maintenant. J'ai fait mon deuil de Super, la série ne m'intéresse plus du tout, quand bien ce soit bien. Mais je suis d'accord qu'il devrait prendre des vacances, parce que la dernière fois qu'il a pris des véritables vacances, c'est quand il a fini la première partie de One Piece, donc à la fin du tome 60, enfin à la fin de l'arc de Marineford, juste avant le livre de 2 ans, il avait pris 4 semaines de pause et il y a un message dans le tome 60-61 où il indique, je l'ai juste là, j'ai du bol, oui je crois qu'il est parti à Hawaï pendant 3-4 semaines et c'est juste marqué au début où il dit qu'il a pris, voilà. Il dit qu'il a pris des vacances. Il y a une petite image où il y a des images de danseuses haïtiennes et je crois qu'il a dit qu'il était parti en vacances à Hawaï. Voilà. Certes, j'ai bien conscience que cette absence inhabituelle a suscité certaines inquiétudes, mais ne vous en faites pas, car pendant ce temps, moi, je m'éclatais à Hawaï. Donc voilà, je pense qu'il devrait prendre au moins peut-être 2 semaines de vacances une fois par an, histoire de souffler un peu. Après, déjà, je sais que le fait qu'il y ait des absences régulières dans le Jump, donc je crois que c'est toutes les 3-4 chapitres, il fait une semaine de pause, c'est aussi pour le soulager un petit peu. Peut-être aussi pour allonger artificiellement la publication One Piece, mais c'est surtout pour lui, pour le reposer un tout petit peu. Donc je pense que c'est pas plus mal que Eiichiro Oda se repose, fasse une pause. Alors ils vont dire, ah oh, c'est 3 semaines, c'est long. Moi à l'époque où je lisais One Piece en scan, ça date de l'époque de Thriller Bark, j'ai commencé à lire en scan Thriller Bark. Bah ouais, quand Luffy il est parti s'entraîner avec Rayleigh, etc., on a attendu 4 semaines la suite. C'était super long. Voilà. Vous avez lu les 3 chapitres, non, mais je crois qu'il explique. Hein, ouais, ça dit. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais One Piece est une série initialement publiée dans le Shonen Jump tous les 2 semaines. 14 ans se sont déjà écoulés depuis le début et nous arrivons aujourd'hui à un grand tournant. Et je crois qu'il expliquait qu'il était parti 4 semaines, etc. J'ai plus exactement le nombre de semaines, mais ça avait duré super longtemps. Et c'était horrible! Parce qu'en fait, on dit merde, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient? Et je sais que la première semaine où il est revenu, donc c'était le retour, quand on nous a dit, vous allez voir, il y a une page couleur, on voit tout l'équipage 2 ans plus tard. Et ils ont bien changé. Et on était fous, on dit putain, vivement, 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 vivement! Et c'est vrai que la page couleur où tu vois tout l'équipage, je me suis dit, Franky, t'es moche. Maintenant, j'aime bien le design, mais à l'époque, ça m'avait un peu choqué. Mais voilà, en tout cas, 3 semaines, c'est rien. Si c'est en plus, si c'est pour que lui, il se prenne soin de sa santé, moi je préfère qu'il prenne 3 semaines pour lui. Hein. Clairement, on va être très honnête. C'est bien, j'ai commencé à lire One Piece, il n'y avait pas de scan. Ah bah,
Alors, moi, j'ai commencé la One Piece, pareil, il n'y avait pas de scan, hein. Mais quand j'ai commencé à lire, à me dire, putain, je veux la suite, c'est quoi là, s'il y a une suite, etc., je voyais en fait, je regardais sur des sites, il y avait des. À l'époque, tu tapais One Piece Information, il n'y avait pas de Wikipédia, il y avait la volonté de l'UD. C'était le seul site qui était un petit peu à jour, et je voyais, ils présentaient des personnages, je dis, mais il n'existe pas ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils me racontent? Je ne l'ai pas encore vu ce perso. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait les scans. J'avais découvert avec un petit peu avec Naruto, mais c'est vraiment One Piece qui m'a fait tomber dedans. Et à cette époque-là, je crois que Thriller Bark se terminait. On commençait tout juste l'arc de Shabaudi. Donc, moi, le moment où Luffy il s'est fait dégommer par Kuma, j'étais en sueur. Hein. Le chapitre quand il se termine, l'équipage est exterminé, j'étais par terre en PLS. Hein. Au tome 1, ah ouais, voilà, j'étais. Moi, pas à ce point-là. Je sais que quand j'ai commencé à lire tome par tome, vraiment à me dire j'attends le tome suivant. On était déjà au tome 30 de One Piece. À peu près. J'ai souvenir d'avoir attendu le tome 31 ou 32 avec beaucoup d'impatience. Mais voilà, One Piece, ouais, je m'y suis mis tard. À cette époque-là, ça faisait peut-être 3-4 ans que One Piece avait commencé, hein, parce qu'il sortait un tome tous les mois, un truc comme ça, parce qu'il y avait tellement de tomes à rattraper. Voilà, en tout cas, je sais que One Piece, ouais, quand j'ai. Enfin, en tout cas, ça faisait 14 ans que ça existait, parce que voilà, une dizaine d'années que ça commençait, que ça existait au Japon. En tout cas, voilà, c'était quand même très très bien. Donc, quoi, faire preuve de patience, hein, c'est pas horrible. Il y a des mangas où on a un chapitre tous les mois. Hein. Voilà, donc on va pas en mourir. Voilà. Et genre, je pense aux fans de Togashi, ils attendent un chapitre tous les 3 ans, donc c'est pas grave non plus. Hein. 3 semaines, c'est rien. C'est rien. Je préfère ça que me dire que l'auteur va caner et qu'on n'aura jamais la fin. Ou en tout cas, on n'aura jamais la fin dessinée par lui. Je préfère que l'auteur aille jusqu'au bout de son aventure et ça sera fini. Voilà. On va passer aux achats et après on fera les lectures avec le marathon Dragon Ball, le marathon Garo, etc. etc. Quelques achats cette semaine. Un petit rattrapage, parce que je ne l'ai toujours pas trouvé et je l'ai enfin trouvé. Alors tout d'abord, on a le tome 21 de Ao Ashi. On en parlera. Je ne l'ai pas encore lu. Je voulais le lire quand je suis rentré du boulot. Et j'ai pas eu le temps, je vais faire les courses, donc je le lirai demain. Ça va être ma grosse lecture de demain. Kaguya-sama, tome 19 sur 28, si j'ai pas de bêtises. On avance doucement mais sûrement. Là, on est sur les trucs qui se passent post-film depuis déjà 2-3 tomes. En plus, on va voir normalement, on va avoir un gros. Non, ça va être un gros tome sur elle, parce que vu la fin du tome précédent. Ah, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas encore lu à Washi. Hein. On dit rien. Ensuite, le tome 28 de Eden Zero. On en parlera. La semaine pro on en parlera la semaine prochaine aussi. Si je me souviens bien, il y avait un gros combat entre ces deux personnages-là en couverture. Ensuite, le rattrapage. Le rattrapage de Olympia qui close. Ça fait 3 semaines que je le cherche. Je l'ai enfin trouvé. Enfin, il est là. Salut Capsule Manga. Une tuerie comme d'hab. Normal. Perso, cette semaine, j'ai juste pris No Game No Life. No Manga No Life. Je l'ai pas pris. Je l'ai mis dans le magasin. Je vais peut-être le prendre la semaine prochaine parce que je me dis c'est pas forcément une urgence. J'attends de voir aussi les retours parce que j'aime bien Minetaro Mochizuki mais c'est pas non plus un de mes auteurs préférés. Donc j'attends de voir des retours si les gens disent que c'est bien ou non parce que j'ai pas forcément envie d'acheter juste pour l'acheter. Je peux attendre une semaine, voilà, je suis pas pressé. Ensuite, l'avant-dernier tome de Orimiya, donc ça, tome 15 sur 16. Donc j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Je ne sais plus avoir beaucoup de place là parce que j'ai le micro qui est juste ici, ça commence à prendre un peu de place. Tac. Ensuite, moi j'aime bien cette série, je la prends, je la prends. Je crois qu'elle n'existe pas en numérique, sinon je la prendrai en numérique. C'est Miss Kobayashi Dragon's Maid, moi j'aime beaucoup l'animé. Je crois que là on a dépassé ce qu'il y avait dans la saison 2, donc hâte de découvrir la suite. Surtout que ça, de ce qu'on mes potes qui lisent en scan, ils m'ont dit que ça monte en puissance avec la suite. Et ensuite, c'est juste les achats pour continuer à faire la série. Pas, à part No Manga Life, bah moi c'est pareil, No Manga Life, je suis curieux, mais j'attends de voir des retours. Bah, si on me dit c'est pas ouf, bah, je les prendrai pas. Si on me dit oh c'est trop bien, c'est une tuerie, je prendrai le tome 1. Mais là, pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça. Et ensuite, bah, je me rattrape tout doucement ma perfect de Dragon Ball, parce que je les ai pas tous encore. Donc là, j'ai pris le tome 7 et 18. Donc il me manque moins d'une dizaine. Hein. Vraiment, là j'avais un trou entre du 16 au 20, donc là j'ai pris le 17-18. Le mois prochain ou le mois suivant, je prendrai le 19-20. Et après, il me restera, je crois que c'est la fin de l'arc Cell que j'ai pas encore en tome. Parce que en fait, au début, je les prenais d'occasion.
quand, au bout d'un moment, si je les trouve pas, bah, je les prends en neuf. Après, voilà, je crois que j'en ai acheté plus de la moitié en occasion, donc je vais pas pleurer. J'en ai acheté deux ou trois neufs. Et voilà, c'était mes achats de la semaine. J'espère que vous avez acheté plein de trucs, vous aussi. Je vais commencer à préparer. Laissez-moi juste sortir les images. Tac, on va mettre ça comme ça. Et voilà. Et voilà. Attends, ce sera mieux comme ça. Voilà. On va parler. C'est le début des lectures. Et donc, on va commencer avec le marathon Dragon Ball et le tome 10. Le tome 10, qui avec cette couverture, vous le voyez, vous le comprenez, c'est l'arrivée du grand, du puissant, du vieux, pas beau, méchant, le plus horrible, le plus dark, le plus terrible, Piccolo Daimao, le roi démon Piccolo, qui alors, je vais reconsidérer les choses que j'ai dit par le passé. J'avais dit à une époque que le commandant Buu était quand même le premier grand méchant méchant. Dans le sens où, quand le commandant Buu est introduit dans le manga, c'est quand même le premier méchant qui fait preuve d'une véritable cruauté. Dans le sens où il voit un de ses sbires se curiner, il fait « Toi, t'es dégueulasse, peloton d'exécution, on le tue. » Il est assez méchant. Mais il y avait un petit côté Dr. Slumpesque avec son côté « Ah, oh, il a de la saleté, ouh là là, j'ai un peu peur, oh, c'est une souris, j'aime pas ça, etc. » Donc il y avait ce petit côté un petit peu efféminé, un petit peu gay, qui contrebalançait cette méchanceté. Piccolo Daimao, c'est quand même le méchant, méchant, méchant. C'est le roi des démons, un peu comme les personnages de Dragon Quest. La première fois qu'il apparaît sur son trône avec des crânes partout, t'as son petit sbire à côté, il en impose. Ah, vraiment, la case, ou cette page-là, où il est sur son trône. En plus, il est hyper grand. On le voit plusieurs fois. Il y a Tao Pai Pai aussi. Tao Pai Pai. Mais c'est vrai que Tao Pai Pai, il arrive. Mais je vais en parler juste après. Mais Tao Pai Pai, c'est juste un tueur. Mais c'est ça qui tue. Mais en fait, c'est juste un tueur. Hein. C'est un peu gogol aussi. Le côté je tue pour tuer. Genre, je vais te tuer avec ma langue. Fait ouais, ok. Il y a un petit côté ridicule. Piccolo, il y a rien de ridicule en lui. Alors si. Il y a son côté, on dirait une limace, etc. Mais il y a des passages dans la suite, je me suis dit, ah ouais, vous avez oublié à quel point il était méchant. Salut Chao, bah bonne soirée, je sais que toi vers 21h15 tu t'en vas à chaque fois. Bah, au pire, tu reviens dans le replay. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'en fait, on se rend pas forcément compte sur les pages, mais en fait, il est immensément grand, et en fait, il y a des passages où on le voit comparé aux autres personnages, tu te rends compte que il fait plus de 3 mètres, il est immense. Et alors c'est vrai qu'il y a son. Il y a ce seul côté un peu ridicule, c'est que quand il pond des œufs, ça lui fait une bouche de débile, là, avec ça, on dirait qu'il déglutit, enfin il déglutit, hein. Ça lui fait une tête un peu bizarre. Mais sinon, ouais, il est assez impressionnant. Donc il y a aussi bah, Goku qui avait été laissé pour mort par un des démons de Piccolo, va rencontrer Yajirobe, un personnage qui est, à mon sens, pas assez exploité dans Dragon Ball, parce que finalement, il a son petit moment de gloire durant l'arc Piccolo. On le reverra plus tard contre Vegeta. Et après, il est anecdotique. Il est ané Enfin, déjà, Vegeta contre Vegeta, il est anecdotique. Hein. Il fait un truc et après, il s'en va. Hein. Il a un fait de gloire. Mais voilà. Alors qu'à l'époque, il tenait tête à Goku. C'était pas n'importe qui. C'était pas un petit joueur. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Même les démons de Piccolo, il est one shot. Enfin, là, je sais plus son nom. À chaque fois, je confonds Cymbale et Tambourine. Je sais pas pourquoi. Ouais, il est one shot. Il l'a coupé en deux. Il le mange. Il a graillé un démon Piccolo. Donc après, il y a Goku qui retrouve son adversaire, qui arrive, qui va pouvoir le vaincre cette fois, parce que, bah, d'ailleurs, aucun autre Namek ne refera des œufs. Bon, on ne sait pas comment les Namek font se reproduisent, donc peut-être qu'ils pondent aussi des œufs. On verra peut-être, je sais pas, enfin, c'est vrai qu'on les a jamais vus se reproduire, mais peut-être que c'est comme ça qu'ils se reproduisent. Donc là, Goku qui va affronter son adversaire, et bah, cette fois, il a mangé, il n'a pas fait un combat contre Tenshinhan avant, il va le défoncer. Et donc arrive à ce moment-là Piccolo qui vient venger ses deux enfants. Cette page où il a pas réussi, elle est impressionnante. Et donc, alors j'aime bien le fait que plusieurs fois Piccolo, il a cette manière d'arriver. Je descends, je saute, je descends en l'évitant. Et là j'arrive, il y a le face-à-face. Et l'échelle de puissance, enfin l'échelle de taille entre les deux, elle est impressionnante. Tu vois vraiment que Piccolo est immense face à. Enfin, Piccolo est immense face à Goku. C'est impressionnant. Et donc là, il y a le combat où tu sens que Goku,
mène la danse, et en fait, une fois que Piccolo est retiré son, sa petite cape, mais il défonce Goku. Genre, Goku, même contre Tao Pai Pai, on l'a jamais vu dans un si sale état. Genre, contre Tao Pai Pai, il lui a fait un Odonpa, Goku, il était laissé pour mort, mais en fait, il dit, oh, bah, ma Dragon Ball, elle m'a protégé. Là, Goku, il s'en est pris, il s'est fait rosser. Là, il a vraiment, il lui a laté les couilles, hein. Là, Goku, il me fait pitié, hein. Là, il lui manque une dent, il saigne du nez, il a les yeux tout bleus, il a pris des nions. Ah, j'ai eu de la peine pour Goku. Ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça. Me dire, ouais, là, il a vraiment dérouillé. Il s'en est pris plein la gueule. Et en plus, pour revenir à Tao Pai Pai et Commandant Blue, bien qu'il fasse des crimes qui tuent plein de gens, Piccolo, c'est le premier qui tue des personnages principaux. Genre, Tao Pai Pai, il a tué le commandant Blue, on s'en fout un peu, c'était un méchant. Il a tué personne d'autre. Enfin, s'il appelle le tueur de Oupa, mais qui revient à la vie. Là, Piccolo, un de ses sbires, tue Krillin. Et ensuite, il rencontre Tortue Géniale, qui lui dit que, hey, j'ai caché les Dragon Ball là, je maîtrise le Mafuba, mon maître s'appelait Mutaito. Et bon, alors, il le tue pas directement, mais il aurait pu le tuer en fait, en vrai. Et c'est pareil. Comment il descend, Piccolo, il descend en lévitant. Il y a encore cette page où il y a une échelle de taille entre les deux qui rappelle le combat qu'il y avait juste avant entre Piccolo et Goku. Donc j'ai bien aimé ce parallèle entre les deux combats. Et donc après ça, Piccolo a rassemblé toutes les Dragon Ball. Il invoque Shenron. Il demande de retrouver sa jeunesse. Alors en même temps, il récupère 40 kilos de muscle hein, parce qu'il est vraiment devenu imposant. Et donc maintenant, plus rien ne l'arrête. Alors il va tuer Shenron au passage. Et là, plus rien ne va l'arrêter, il va devenir le maître du monde. Et en parallèle, on suit Goku qui retourne au sanctuaire Karin, pour pas vraiment de raison, parce que finalement, il part s'entraîner, mais bah, l'entraînement, c'était juste de monter la tour. Je pense qu'en la remontant une deuxième fois, en plus, il y a Jirobe qui va la monter pour lui, bah, ça va rien changer, sauf que je sais qu'il y a un truc qui va le faire, qui va devenir plus fort. Hâte de voir la suite. En tout cas, c'était vraiment un super tome. Il y a Jirobe qui va quand même monter à tour Karin avec son katana plus Goku sur le dos, ça montre quand même qu'il est quand même très très fort. Et donc ouais, d'ailleurs, dans Sumimasen, il nous expliquait que Yajirobe était là pour remplacer Krillin pour la doubleuse de l'anime. Ah bah, alors, j'avais cru comprendre cette histoire, j'avais vu cette anecdote comme quoi il y avait un... À la base, il était prévu pour remplacer Krillin, j'étais pas au courant que c'était pour la doubleuse, mais j'avais entendu parler de ça, mais Krillin, il est tellement cool. Non mais la mort de Shenron, c'est un choc. La mort de Krillin, c'est un choc. La mort de Tortue Géniale, c'est un choc. Enfin, Piccolo, il enchaîne les trucs où tu dis, waouh, là ça déconne plus. L'armée du Ruban Rouge, globalement, c'était un petit peu des bouffons, sans être méchant. Voilà. Et donc, on va parler un petit peu de traduction. Donc là, on a le passage où, juste après la mort de Krillin, Tortue Géniale découvre l'emblème du roi démon Piccolo, là où il dit juste. Dans l'édition pastel, c'est juste le démon Piccolo. Donc il a pris un titre de noblesse avec l'édition pastel, ce qui est assez logique et qui fait un petit peu un parallèle avec les Dragon Quest, où il y a toujours ce délire de Daimao, ou Super Daimao, le roi des démons, l'empereur des démons, le dieu des démons. C'est un truc qui revient souvent dans les Dragon Quest, où souvent au début du jeu, tu affrontes le Daimao, donc le roi des démons, et puis tu te rends compte qu'il y a un mec encore plus méchant, et c'est l'empereur des démons, comme dans le Dragon Quest Akadodai, où on a... Comment il s'appelle le premier méchant, j'ai plus son nom. Celui qui a affronté Avan, qui était donc le roi des démons. Et en fait, on découvre qu'il y a Vern, l'empereur des démons. Donc il y a le Haut Daimao et le Daimao, un truc comme ça. Piccolo, c'est un peu dans cette logique-là. Ensuite, alors, c'est un truc qui m'a surpris. C'est que dans l'édition pastel, quand Piccolo invoque, enfin crée ses créatures, donc il dit Pokopen, Pokopen, Darega, tout, donc il y a une explication sur le fait que c'est une comptine japonaise. Donc, qui est assez particulière et qui n'a pas vraiment d'équivalent chez nous en France. Voilà, c'est marqué, cette formule magique vient d'une comptine récitée au cours d'un jeu appelé Pokopen. Un enfant joue le rôle du démon et doit rester les yeux fermés pendant que les autres lui pincent le dos. À la fin, il doit trouver qui l'a touché en premier. Pokopen Darega Tsutuya peut se traduire par qui est le bon à rien qui m'a pincé. On pourrait, on veut dire, rapprocher ça du 1, 2, 3 soleil, mais il n'y a pas ce côté on pince les gens. Et donc, l'édition pastel, ben, ils disent aussi Pokopen, Pokopen. Alors, il n'y a aucune explication, ils répètent juste Pokopen, Pokopen, Pokopen. Donc, on perd la comptine, mais en même temps, il n'y a aucune explication. Donc, ils disent juste Pokopen, 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 comme un gros débile.
Donc après, on a la rencontre entre Goku et Jirobe, où en fait les deux s'insultent. Alors, Jirobe le traite de « Si je te cogne, il faudra pas venir me pleurnicher, Nabo ». Et Goku le réplique par « Toi-même, gros lard ». Donc, y a moins ce... Ces insultes sont plus mignonnes. Il y a juste « Tu vas morfler, sale cloporte » et « Moins que toi, vermine ». Mais j'avoue que le côté gros lard, Goku est grossophobe. Voilà, il faut savoir que Goku est grossophobe. Voilà, Goku il aime pas les gros. Goku il va à la salle, lui le McDo il aime pas ça. Il veut qu'on soit tous fit. Si t'es gros, t'as de la bedaine, t'es un gros lard. Voilà, hein, Goku grossophobe, hein, il faut le savoir. Ensuite on a alors, juste une petite différence de valeur, c'est quand il y a l'arrivée de. Alors, je crois que c'est Cymbale, je sais plus. Tout tambourine, hein, le dragon. Donc Yajirobe et donc veut le tuer pour le bouffer. Donc il y a une dispute entre les deux et Goku lui dit ça me regarde, un de ses semblables a tué à mon meilleur ami. Dans l'édition pastel, il dit juste j'ai un compte à régler avec eux. Donc dans l'édition pastel, on a vraiment une notion d'amitié très profonde entre Krilin et Goku qui le considère comme son meilleur ami et en même temps c'est peut-être son premier ami parce que Bulma c'est une copine qu'il a aidé. Oolong, Puer, Yamcha, c'est pas vrai, enfin c'est des amis, mais c'est que Krilin c'est son premier frère d'armes. Ils se sont entraînés ensemble chez Tortue Géniale, ils ont fait leur premier tournoi ensemble, ils se sont même affrontés au deuxième Tenkaichi Budokai. Quand il y avait l'armée du Ruban Rouge, Krilin il était là avec lui contre le commandant Blue. Voilà, ils sont super potes. C'est dommage qu'ils soient pas tout le temps ensemble pendant toute la série, un peu comme Gon et Killua dans Hunter x Hunter. Mais voilà, il y a quand même cette notion de meilleur ami qui est ajoutée à l'édition perfecte, et ça c'est vraiment super bien. Ensuite, on a toute une histoire autour de la difficulté. Donc, où on a Piccolo, quand il sent que ses deux enfants se sont fait tuer, il dit j'ai eu tant de mal à mettre au monde ces guerriers, voilà qu'ils sont morts tous les deux. Et je crois que quand ils sont passés, il dit juste par ta faute, j'ai perdu deux combattants, je ne te pardonnerai jamais, foi de Piccolo, tu vas regretter de m'avoir défié. Donc là. Il a juste, voilà, il y a moins de rapport entre ces créatures. Là, c'est juste, il a tué deux combattants. Là où il parle vraiment de, j'ai dû les créer, ça coûte cher, etc. Et j'aime bien le fait que le roi Piccolo lui-même va montrer de quel bois il se chauffe. Donc là, tu sens vraiment qu'il arrive et qu'il va vraiment, il va vraiment se battre. Ensuite, on a une, c'est plus un petit take, assez marrant. Faut juste que je retrouve c'est à quel moment il en parle. Ah merde, j'ai plus. Merde, en fait, moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui se prend un tac. Ouais, c'est là. Donc, c'est le moment où Tortue Géniale discute avec Tenshihan du Mafuba. Et donc, Tenshihan lui dit: Ah, si seulement on maîtrisait le Mafuba! Et il dit: Non, ne commence pas à envisager des choses impossibles. Si tu échoues, on se fera tous décimer. Et qui sait qui adviendra de notre monde? Tu veux que Yamcha reste seul à tenir tête aux démons? Genre, Yamcha, il se prend un petit take. Et en édition passée, il n'y avait juste rien. Il y avait juste. Quand il parle du Mafuba, il dit juste: Oh, ne dis pas de bêtises, cette technique extrêmement périlleuse à exécuter et nous n'avons pas le droit de risquer nos vies dans l'état actuel des choses. J'aime bien le fait que voilà, Yamcha s'est pris un petit take sur Perfect en mode: Tu crois vraiment que Yamcha va résister aux démons? Lui là, contre. Tu l'as défoncé, tu l'as pété la jambe, Yamcha il est nul! C'est mon pire élève! Nul! Et alors, dernier truc, c'est tout le mensonge tu as par rapport à Tortue Géniale quand il va affronter. Quand Piccolo arrive. Il dit non mais t'inquiète pas, j'ai bu l'eau du sage, je suis immortel, etc. Et donc après ça, il va gazer à Tenshihan, il lui dit l'eau de jouvence qui rend immortel n'existe pas, j'ai menti. Et si je meurs à présent que Goku n'est plus là, tu seras le seul à pouvoir te mesurer au roi démon. Et dans l'édition passée, il dit juste je suis immortel aussi, je suis aussi immortel que tu que toi chevelu, et pourtant je dois tenter seul ma chance contre Piccolo. Voilà, là c'est un peu plus direct. C'est un peu plus dans le sens où, ouais, ça n'existe pas. L'autre là, c'est un peu plus subtil, c'est un peu genre, oui, je suis immortel comme tes chevelus. Peut-être que lui aussi se rase le crâne comme Tortue Géniale, hein. Enfin, comme Krilin. Finalement, il a des cheveux. On sait pas. Donc voilà, ça m'a plus marqué, cette histoire d'immortalité dans l'édition perfecte que l'édition pastel. Ensuite, on va juste vite fait regarder les différents fonds de Tipis, hein. Donc la mort de Krilin, l'arrivée du roi démon Piccolo. Qui apparaît quand même plusieurs fois, hein, on le voit quand même dans tous les chapitres. L'arrivée d'Yajirobe, Yajirobe qui va manger un dragon. Encore ces images avec ce petit dessin un peu plus épais. Voilà, Goku qui est ultra vénère. Ah, vraiment, Goku il va en démordre.
Piccolo qui est super stylé. Là, on a cette page, bah, on a encore cette image avec Piccolo qui est super grand et t'as l'impression que, même s'il y a, y a quand même un effet de perspective, t'as vraiment l'impression que Piccolo est immense par rapport à Goku. Voilà, la mort de Goku, défaite totale de Son Goku. C'est le chapitre, il est quand même assez puissant dans sa nomination. Défaite totale. C'est vraiment Goku, là, il s'est fait défoncer. Tenroshi, défaite le Demon Fuba de Kame Sennin. Le roi démon Piccolo va-t-il devenir voir rajeunir? Et donc là, ça va être la tour Karin. Là, cette super badge couleur avec le Piccolo derrière qui fait vraiment super peur. Et donc, ensuite, voilà. Salut Root Collection, bonsoir Monsieur Langas. La case était inversée sur Pastel, je ne me rappelle pas. Ah oui, complètement. L'édition Pastel, en fait. Où est-ce que j'ai foutu les tomes? Voilà. Ils sont en sens de lecture français. Donc, ils sont forcément complètement. Tout est complètement inversé. Donc, ouais, c'est une petite subtilité. Donc, tu sais, surtout que personne n'avait été mort à part l'Indien. La mort de Shenron choque à l'époque. À part l'Indien, à part l'Indien, à part l'Indien, tu parles de qui? Tu parles de Nam? Il y a aussi Guldo qui se fait tuer. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de personnages. Ouais, enfin, moi je trouve que c'est quand même assez. Enfin, Piccolo, il met comme les points sur les i en enchaînant quand même pas mal de morts. Qui seront encore plus marquants quand ça va être. Comment ça s'appelle avec les Saiyans, à partir de l'acte des Saiyans, tout le monde meurt, tout le temps. Donc il y a un mort à chaque arc. Donc c'est un peu moins marquant. Piccolo, c'est quand même. T'enchaînes quand même pas mal de morts. En plus, il tue Shenron, donc tu dis merde, là il n'y a pas de retour. Là, quand tu dis Shenron est mort, il n'y a même pas l'option, on peut ramener les gens à la vie. L'option, elle est terminée. Alors qu'après, les Dragon Ball, elles sont tout le temps là, tu dis bon, au pire, on va réunir les Dragon Ball, ramène tout le monde à la vie, puis basta, tue le mec méchant qu'on n'arrive pas à tuer, puis basta. Donc ensuite, on passe au marathon Garo, donc encore une fois, je le rappelle, il y a quelques mois, j'avais fait un live par rapport au livre de Monsieur Claude Leblanc, édition Imachaud, donc Garo, la Révolution, qui est un livre qui revient sur la création de ce magazine assez particulier, assez étrange dans le paysage manga. Donc un magazine qui est sorti de 45 à 2002, donc c'est hyper intéressant. Et bah, quand j'étais à Angoulême, j'ai acheté plusieurs titres de Garo, en lien avec Garo normalement. Donc on fait une sorte de petit marathon où j'en lis un par semaine et je vous présente un peu ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. Donc là, c'est Peuple Invisible de Shohei Kusunoki, qui est son deuxième titre à sortir chez nous. Alors, j'ai pas l'autre titre qui s'appelle La Promesse, qui est sorti en 2009, qui est encore disponible, mais sûrement en petite quantité. J'aurais peut-être dû le prendre à Angoulême plutôt que celui-ci, vu que ce titre est plus. Attends, je me suis pas trompé. Non, c'est ça, c'est Peuple Invisible que j'ai pris. Ça, là, donc. Le Peuple Invisible qui est juste là, qui est un gros pavé de 400 pages. J'aurais peut-être dû prendre d'abord La Promesse, parce que c'est un titre plus récent, et donc il y a peut-être plus de chances qu'il soit introuvable. Mon arc préféré de la période Dragon Ball, c'est vraiment. En ce moment, c'est vraiment ce moment de Piccolo Demo. Non, j'aime bien le ruban rouge, mais là, en relisant Piccolo, je trouve que Piccolo, quand même, est impressionnant. Après, j'aime beaucoup les Tenkaichi Budokai, mais ils sont courts, hein, c'est un tome à chaque fois. Donc, ouais, je disais, Peuple Invisible. Bah, j'aurais dû prendre peut-être La Promesse, qui est sortie il y a plus longtemps, et le titre a 15 ans. Il y a peut-être plus de chances qu'il soit introuvable l'année prochaine. Donc si je le vois à Angoulême l'année prochaine, je le prends. Ça c'est sûr. Ou si je le trouve en boutique, je le prends. Peut-être que je le commanderai d'ici là, je ne sais pas. Donc c'est un titre de Shohei Kusunoki. On est sur des histoires qui sont sorties entre 1970 et 1972. Il y a un total de 15 chapitres, avec. Quasiment que des histoires qui sont sur l'époque des samouraïs. Alors moi je suis un grand fan de manga qui parle de samouraïs. Alors on n'est pas sur les samouraïs grand combat d'épée, comment ça s'appelle déjà j'ai plus le nom des combats d'épée. C'est un style, ça s'appelle le Champuru. Champuru, j'ai plus le mot. Ah! Bon, ça me reviendra peut-être dans 5 minutes. Donc on n'est pas sur des grands combats Barabara, je crois que c'est. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, bon, c'est pas grave. Je pense que quelqu'un va me le dire en commentaire de 30 secondes et je vais avoir l'air d'un idiot. Donc on n'est pas trop sur des grands combats où ça va s'enchaîner des combats d'épée et des techniques spéciaux. On est vraiment sur le quotidien des petits gens au Japon. Alors, il y a des fois, il y a des samouraïs, mais tu sens quand même que c'est le Japon. Alors, pas forcément. Enfin, pas le Japon. Du banlieusard, etc. On est vraiment sur les petites contrées japonaises, comment ils vivaient à cette époque-là. Or,
n'y a pas vraiment chaque fois d'époque, on ne dit pas on est en 1600 et quelques, mais on est plus ou moins dans l'époque, on va dire, le Japon est refermé sur lui-même, l'époque du shogunat, donc l'époque Edo. Moi je suis assez friand de mangas qui se passent à cette époque-là, et je suis assez bon public. Globalement, moi, tu mets des mangas avec des samouraïs, c'est rare que j'aime pas. C'est vraiment très rare. Faut vraiment que le manga soit vraiment très très mauvais pour que j'aime pas. Moi j'adore ce que fait Hiroshi Hirata. On est un peu dans cette vibe-là, mais avec un peu moins cette virilité assez propre à Hiroshi Hirata. Et je disais 15 chapitres. Alors il y a 8 chapitres qui forment une histoire complète, où on est vraiment... Donc c'est cette page-là. On va suivre une histoire sur 8 chapitres qui est assez intéressante. Il y a une histoire qui est contemporaine de l'auteur, qui parle de bains publics. Enfin, qui se passe dans les bains publics et qui parle un petit peu du quotidien des gens. C'est la seule histoire de ce bouquin qui se passe à notre époque. Et alors, vous le voyez, c'est pas moi qui ai eu des problèmes avec ma photo, c'est que les pages ont un petit effet bleuté. Alors, c'est expliqué au début. Alors, je vais vous retrouver l'explication. Note de l'éditeur. Voilà. C'est écrit en minuscule en plus, c'est super. Afin de préserver la cohérence graphique des planches, nous avons fait le choix de ne pas traduire systématiquement les onomatopées. Voilà. Par ailleurs, les originaux des planches présentées ici, ayant dans leur grande majorité disparu, cette édition se base sur les magazines dans lesquels ces histoires ont été publiées pour la première fois, ce qui explique que la qualité ne soit pas optimale pour certaines d'entre elles. Donc là, en fait, c'est des pages scannées des magazines Garo des années 70. Je sais pas si vous imaginez le délire. C'est-à-dire que là, c'est comme si quelqu'un prenait un Jump d'aujourd'hui pour le publier dans 20 ans, il scanne les pages, il fait ce qu'il peut. Il y a quand même un sacré travail de recherche des numéros, parce qu'ils ne doivent pas être facilement trouvables, de restauration. Je trouve que Cornelius fait quand même du très bon boulot. Alors après, ils auraient quand même pu mettre un petit filtre noir pour avoir des pages un peu plus sombres. Ça, c'est assez particulier d'avoir des pages bleutées. En tout cas, ce que j'en pense. Et donc la semaine prochaine, je parlerai d'un autre titre. Ah, bah merde, il y a un petit souci. Bah, oh merde, attends, qu'est-ce qu'ils me font là? Qu'est-ce qui m'a fait là? Ça ne devrait pas être écrit, ça ne devrait pas être ça qu'on devrait avoir. Ah bah ouais. Ah d'accord, bon. Mais qu'est-ce qu'il faut... Ah non, mais c'est juste qu'il y a un souci avec ces pages-là ne devraient pas être ici. Ok, c'est pour ça. Donc ensuite, on va parler de Arslan, tome 19. On est au tome 20 au Japon, donc on a toujours un tome d'écart avec les Japonais, donc on a un rythme de publication assez lent. J'espère que ça n'a pas planté le live. Tout le monde a disparu. Non. Ok. Le tome. Oh merde, j'ai perdu mes notes, comme par hasard. Le tome 19, donc on a une petite date qui est mentionnée, c'est que ça fait 9 mois que le manga a commencé. Parce qu'on dit que ça fait 9 mois que le royaume de Perse a été conquis par l'empire lusitanien. Donc là, c'est un peu la remontada. Donc on a les personnages, on a les différents protagonistes, notamment le prince Ims qui va reprendre le pays. Sauf que, bah, en même temps, il n'y a pas de bouffe dans son château. Donc il est un peu comme un con. Il se dit, merde, j'ai récupéré mon château, j'ai récupéré mon peuple, mais je ne peux pas les nourrir. Donc comment on va faire? Donc là, ça commence à être un peu le point culminant. Je pense qu'on arrive quand même à la fin de l'histoire. Je vois pas ce qu'on peut raconter de plus. À part si Arslan, après, va partir conquérir les mecs qui ont attaqué son pays. Ça sent quand même ça sent la fin. Après, je ne connais pas. Je sais que ça a daté de roman, donc je ne sais pas où vont les romans, jusqu'où ça va. En tout cas, ça a l'air de s'approcher d'une conclusion, en mon sens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tome 19. Ensuite, on passe au tome 12 de... Alors, Arslan, je l'ai en main. Ensuite, on parle du tome 12 de Spy Family que j'ai acheté en numérique. Parce que j'en parlais dans le live de Badass. J'en parlais peut-être la semaine dernière, Spy Family, j'aime bien, mais je trouve que ça commence à devenir un peu long. J'ai pas forcément envie de posséder les 40 ou tomes qui vont être sortir de Spy Family. Je préfère les avoir en numérique et avoir juste le databook que je vais garder en physique. Je pourrais acheter en numérique aussi, mais juste le garder pour me dire, ah, Spy Family, j'aime bien la série, je vais la relire. Parce qu'en fait, le souci que j'ai avec le numérique, le seul souci que je peux avoir, c'est de me dire, j'ai 150 000 mangas en numérique. Ouais, mais je sais pas quand est-ce que j'ai envie de les lire, parce qu'en fait je les vois jamais physiques. Bon, alors que quand t'as les bouquins à côté de toi, tu dis, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu ce manga-là. Tu le vois, tu dis, ah ça fait longtemps que je l'ai pas lu. En numérique, bah c'est juste, il y a des milliers de lignes, et en fait tu sais pas qui est quoi, qu'est-ce que c'est. T'oublies juste que tu les as, et c'est un peu triste. Donc avoir au moins le guidebook ou l'artbook, ça me fait un petit souvenir.
Donc dans ce tome-là, on est suite à ce qui s'est passé dans le précédent tome. Donc à savoir, il y a une attaque de bus et donc on va suivre un petit peu Anya qui se la pète un petit peu. Elle est un petit peu gaze, elle se dit ah, hey, j'ai vaincu les terroristes, hein, hey, j'ai une Stella, hey, je me la pète. On a aussi le passage en couverture, on voit un peu son quotidien en tant que femme bordélique, alors, hyper organisée au boulot, mais ultra bordélique dans la vie active. Il y a un passage qui est ultra drôle avec York complètement bourré qui veut s'embrouiller avec. J'ai plus le nom du mari, excusez-moi. Non, Yold, non, c'est Yold, Anya et Lloyd. Lloyd où il dit ouais je veux qu'on s'embrouille et lui il comprend pas, il dit merde qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai mal fait un truc, elle veut s'embrouiller avec moi, non elle veut juste une dispute parce que pour elle une dispute c'est le quotidien des couples, ils disputent jamais, ça c'est bizarre pour elle. Et après on a un petit arc narratif autour d'un mec qui s'est évadé, qui a des secrets du gouvernement, etc. Patati patata. Voilà, c'était un tome bien sympathique, mais encore une fois, tu sens que la quête principale de infiltrer l'école, elle avance jamais. Ça a avancé un iota la semaine dernière, et là maintenant ça avance plus. Et c'est moi, c'est le problème que j'ai avec Spy Family, j'ai l'impression que ça avance pas tant que ça. J'ai l'impression que les personnages sont tout le temps à faire des parenthèses au niveau de leur quête principale. Surtout Lloyd. Lloyd devrait être tout le temps en train de penser à la quête, des fois il pense à autre chose. C'est abusé. Voilà. Ensuite, The Danger in My Earth, tome 5 sur 9. Moi je continue toujours à les prendre en numérique, c'est un titre que j'aime énormément. Donc là on est dans ce qui a été adapté au tout début de la saison 2 de l'animé, donc avec Kyotaro qui a une jambe, enfin une jambe, un bras cassé, donc alors Yamada qui fait tout pour l'aider, mais bon ça c'est un peu compliqué, à un moment donné bah, il se retrouve à venir chez elle et on voit le popotin de Kyotaro, voilà je voulais juste le montrer ce passage-là, donc il vient chez elle et donc il va rencontrer les parents de son amoureuse, pas sa copine, son amoureuse. C'est assez marrant, notamment bah, il rencontre le daron de Yamada et j'aime beaucoup le père par la suite. Surtout que, comme je vois l'animé, je sais j'ai au moins deux tomes d'avance par rapport à avec l'animé qui est sur ADN et le père, je le trouve génial. J'aime bien le fait que bah, y a aussi. Là, c'est le passage où ils vont fabriquer des chocolats et donc pour que Kyotaro puisse venir et pas faire croire qu'il y a un garçon et que le garçon il serait en. Il serait avec Yamada, bah, il y a une de ses copines, Poneko, qui fait croire que Kyotaro c'est son copain. Ce qui crée beaucoup de quiproquos entre Kyotaro et Yamada, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Et voilà, j'aime bien le fait que le père de Yamada c'est un gros geek et qu'il veut jouer avec Kyotaro. Et que plus tard il demande à sa fille, l'autre là, le gamin, il a un compte PSN, j'aimerais jouer avec lui à Monster Hunter. Et je trouve ça génial, voilà. Le daron il veut juste jouer à Monster Hunter avec le petit copain de sa fille, enfin le futur petit copain de sa fille, je trouve ça génial. Ensuite, le tome 6 de Holy Land. Donc 6 sur 18, on est au premier tiers de la série. Vega continue à sortir du titre de Kujimori, ça fait plaisir. Donc on a la fin du combat entre Yu et Masaki, qui, bon, au vu de la couverture, on sait qui a gagné. Hein, donc je peux vous le dire, Yu s'est fait péter la gueule. Ensuite, on a, alors, à la suite de ça, on a le héros qui est au 30e dessous, qui va commencer à se faire accoster par Mai. Alors, moi j'ai lu le manga il y a très longtemps. Et quand j'ai vu la romance entre eux deux, je dis, il y avait une romance entre eux? Alors, s'il y en a une par la suite qui avance, bah je l'ai complètement oublié. Donc je vais être très content de la revoir. Mais pour moi, c'est un truc qui est complètement inutile et qui va être complètement abandonné au fur et à mesure de la série. Donc n'attendez pas une histoire d'amour entre les deux. Pour moi, elle viendra jamais. Et en même temps, le manga n'est pas là pour ça. On est là pour de la baston, on est là pour de la bagarre, pour du sang, de la chic et du molard. Les nanas, on n'en a rien à foutre. Et après ça, on remet un peu une sorte de statu quo. On nous représente plein de personnages. Alors je vais son nom. Il y a un lutteur qui nous parle du fait qu'il y a longtemps, il s'est battu contre Masaki et que bah en fait les lutteurs c'est très bien sur un tatami, mais dans la vraie vie. C'est un peu un sport de merde parce que comme tu es souvent accroupi ou près du sol, on te plaque contre le sol, tu t'exploses le bras, le visage, les coudes contre le bitume. Un coup, deux coups, trois coups comme ça, à la fin, t'as les bras en sang et tu vas plus te battre. Pareil, il y a Ryu Kamishimo, le judoka, où on nous explique que ben, un judoka, il est très fort pour attraper des vêtements. Dans la vie de tous les jours, c'est un monstre en fait le mec, parce qu'il attrape ta chemise, il te tue. Il te retourne, il te plaque contre le sol et t'es mort.
Donc c'est intéressant. Et pareil, on nous mentionne le fait qu'il y a un futur Kendoka qui va apparaître, qui va sûrement être, enfin, si même pas, c'est le futur combat de Yu dans le prochain ou les prochains tomes. Donc hâte de voir ça. Je vois que Rude m'a dit bonsoir, donc je pense qu'il est parti. Et donc là, on va arriver au dernier de mes lectures. C'est le tome 5 sur 16 de Gage Bell. J'ai le petit tome de Holy Land qui est juste ici. Et donc Gage Bell, alors j'ai le tome 5 et le tome 6. Mais je vais parler du tome 5 cette semaine et du tome 6 la semaine prochaine pour un peu espacer les lectures et parler de chaque tome séparément. Alors, j'ai pas grand-chose à dire parce que là, c'est un peu le tome qui marque un point important de la série. On nous dit, vous êtes plus que 40 démons. Voilà, c'est un peu le statu quo au milieu du tome, où on nous dit qu'il y a moins de démons, ils sont plus que 40. Donc tu sens que les combats vont se resserrer, qu'il va y avoir moins de personnages, enfin il va y avoir des personnages qu'on va avoir introduits vont être les derniers, parce que 40. Le moment, soit tu reviens, soit on va pas te vaincre et tu reviendras plus tard, soit on va te vaincre et bah de toute façon je veux qu'on te bat, tu reviendras jamais. Il y a encore des nouveaux personnages qui apparaissent. J'aime beaucoup ce personnage-là, un peu what the fuck, avec qui se fait manipuler par son maître, qui est capable de le mentir et de l'escroquer un petit peu. Il est très drôle. J'aime bien, c'est qu'on profite aussi un peu le temps de remettre certains personnages, où est-ce qu'ils en sont, notamment ce truc complètement moche avec Porcho Folgore, là, Folgore Porchore, complètement what the fuck, qui affronte un démon dragon immense et qui se fait défoncer. Voilà, le combat c'est toujours aussi cool. Moi je prends toujours autant de plaisir à lire Gage Bell, surtout que bah, j'ai eu le manga il y a très longtemps, mais j'ai jamais eu la fin. Donc là je vais pouvoir découvrir la fin, surtout que là, je crois que pour moi là j'en suis au moment où j'ai arrêté le manga. Enfin, j'ai pas pu lire la suite parce que c'était. Je lisais à la médiathèque de mon école, enfin de ma ville, ils avaient genre les 5 ou 6 premiers tomes. Ce qui fait que là je commence à arriver dans les trucs. Pour moi je suis aux inédits, donc j'ai hâte de découvrir la fin parce que c'est un titre dont j'aimerais vraiment connaître la fin. Parce que j'aime beaucoup Animal Kingdom, du même auteur qui est sorti chez Kiun. Même si pour l'instant je préfère quand même Animal Kingdom. J'espère que le chat a pas planté. Attendez, on va juste regarder. Laissez-moi un instant. Tac. Je vais juste regarder si le live a pas planté sur YouTube. Et après on va parler de sous-bouteille. Si vous me laissez juste 30 secondes. Parce que je vois que plus personne répond. Donc est-ce que vous m'écoutez tous de manière très joyeuse ou est-ce que c'est juste le live qui a planté? Je préfère m'en assurer. Non, c'est le live qui. Non, c'est juste que vous êtes très silencieux. Voilà. Je préfère toujours m'en assurer. Quand je vois pas de commentaires, ça me fait toujours un petit peu peur. Donc, on a fini les lectures. Tout fonctionne. Ok, non, je vois personne qui réagit, ça me fait toujours un tout petit peu peur. Tac. On va parler de sous-bouteille. Que je sorte mes notes. Donc, Sobutei, ou en japonais, Sobotei Kowasu Beshi, qui veut dire il faut détruire le Sobutei, sous-titre qui a disparu avec la traduction VF, qui a gardé juste Sobutei, surtout écrit en tout petit. Donc, c'est un titre de Kazuhiro Fujita, le papa de Karakuri Circus, Ushio Totora, Moonlight Act, et tout le Black Museum. Donc, quasiment tous les titres sont sortis en France. Karakuri chez Meian. Moonlight Act chez Kaze, Crunchyroll et toutes les œuvres du Black Museum chez Kiun. Donc c'est un shonen du Shonen Sunday, donc le magazine dans lequel l'auteur a publié tous ses titres, hein, Karakuri Circus, Ushio Totora et Moonlight Act. Ça a commencé en 2016 au Japon, ça s'est terminé récemment avec une vingtaine de tomes, et donc ça vient de sortir chez nous, aux éditions Mangetsu, dans leur collection Shonen. Voilà, je fais pas de bêtises. Donc, petit résumé. Le Sobutei doit être détruit. Ce manoir légendaire se dresse avec orgueil dans le bourg de Numanakarai, à Tokyo. À l'intérieur, des ténèbres insondables attendent les visiteurs les plus imprudents. Et si par malheur vous y aventurez, vous y risquez de disparaître à tout jamais. Quelle solution face à cette bâtisse maudite? La détruire à tout prix. Donc voilà, sous-bouteille, c'est donc cette histoire où on va avoir un bâtiment assez étrange, et donc le. Ouais, la live, mais pas numérique. Ouais, je sais, pas de numérique. C'est un peu. J'ai regardé un petit peu avant la live pour être sûr s'il n'y a pas de numérique. Il n'y a pas de numérique, c'est un peu dommage, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Donc voilà, c'est un titre donc de Kazuhiro Fujita qui flirte un petit peu avec l'horreur, mais on va en parler aussi un peu plus tard dans ce focus.
Donc on va en fait ça commence avec une histoire qui se passe dans le passé. On va suivre deux garçons qui vont voir leur ami qui va il va avoir un malheur dans le sous-bouteille. Et donc on va les voir plus vieux qui sont maintenant membres du gouvernement et qui disent le sous-bouteille doit être détruit. Et donc ils envoient l'armée, la marine, les djihad, les G.I. Joe, etc. Ils envoient les Power Rangers, les Avengers et le sous-bouteille n'arrive pas à être détruit. Pire. Il répond aux attaques, il s'autodéfend, etc. Et donc c'est assez particulier. Il y a encore un gros mystère autour de ce truc-là. On ne sait pas encore tout dessus, parce que ça a l'air de faire des années que les gens veulent le détruire, qu'ils n'y arrivent pas. C'est une maison hantée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle est hantée, qu'est-ce qui s'est passé avant. Ça reste un mystère. Voilà, donc c'est le postulat de départ du titre. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors après, quand on connaît un peu l'auteur, il y a beaucoup de choses qui rappellent ses présentes œuvres. On a quand même des archétypes de personnages assez forts qu'on trouve avant. Par exemple, il y a le personnage principal, donc Tsutomu Takoa, donc grand costaud qui rappelle un peu le héros de Karakuri Circus. Et même dans son apparence, il y a quand même un petit peu du héros de Karakuri Circus. Et j'en parlais dans ma vidéo sur Moonlight Hack, sur Crescent Moon. Il y a un peu ce côté création qui revient dans les œuvres de l'auteur, avec dans Karakuri Circus, on suivait des gens qui manipulaient des marionnettes et donc quelqu'un les créait. Dans Moonlight Act, on était sur un héros qui allait lutter contre des créations, à savoir le passage de conte. Dans Crescent Moon, on a Mary Shelley qui va être face un petit peu aux conséquences de son roman Frankenstein. Et là, on est sur un créateur, un mec qui veut créer des dessins et des histoires pour les enfants. Donc après le personnage de Gecko dans Moonlight Act qui affrontait les personnages des contes de notre enfance, là on a un personnage principal qui veut créer des contes pour les enfants. Une sorte de filiation entre les personnages qui est vraiment très très cool, que j'apprécie énormément. Même s'il est moins impressionnant que Narumi dans Karakuri Circus, il est intéressant. Pareil, on a le personnage de Kuronai Tsuge, qui est censée être la meilleure prêtresse du Japon, qui est un peu envoyée pour éliminer aussi le sous-bouteille, qui est une fille forte, caractérielle, où tu sens. Voilà, on est au chapitre 1, tu sens que les deux ils vont finir ensemble avant la fin de la série. Un peu comme Narumi et Shirogane dans Karakuri Circus, un peu comme le héros et sa copine dans Moonlight Act. Tu les vois, tu dis, ok, vous à la fin, vous avez 4 enfants, vous êtes mariés, c'est sûr et certain. Qui alors aussi a des passages vraiment badass, parce qu'elle se bat avec. Deux espèces de petits katanas, il a fait des techniques de prêtresse japonaise qui sont vraiment cool. Il y a le petit garçon qui est un peu le fil conducteur entre elle et Tsutomu, donc parce que c'est lui qui va un petit peu relever sa passion en tant que dessinateur, parce que le héros est un peu 30 dixièmes dessous parce qu'il n'arrive pas à être édité, parce que ses dessins sont un peu trop sombres, pas assez enfantins. Elle a un lien avec le petit garçon, et donc ça va être un petit peu bah, comme Narumi, Shirogane comme il s'appelle le héros de Karakuri Circus, c'est un peu le fil conducteur, donc le trio de personnages principaux. Et on a, en plus il y a des moments un petit peu coquins, mais ça c'est l'auteur, il aime bien en faire, hein. Je le montre rapidement parce que j'ai pas envie de faire strike par YouTube, mais voilà, il y a un passage ou deux où tu vois l'héroïne en tenue d'Ève et d'Adam, et donc juste pour un rite spirituel. Et on a le quatrième personnage, donc Seiichi, qui est celui qui est en couverture, qui a des pouvoirs spéciaux, qui est assez particulier, il y a un petit mystère autour de lui, et encore une fois, donc le petit garçon qui s'appelle Rokuro Tachiki, ça va être un peu le fil conducteur parce que. Ce petit garçon va subir des problèmes grâce à cause du sous-bouteille, et c'est juste lui dire hey, tu veux qu'on détruise le sous-bouteille? Et donc ils vont tous les quatre être reliés par ce petit garçon et donc lutter ensemble. Alors, pas pour protéger le sous-bouteille, parce que moi je pensais vraiment que le titre, on serait sur il faut détruire le sous-bouteille et nous on va le protéger. Pour l'instant, tout le monde a l'air d'être unanime sur le fait qu'il faut détruire le sous-bouteille. Les personnages principaux comme le gouvernement. Moi, je pensais vraiment qu'il allait avoir un truc un peu plus mystique sur le sous-bouteille et eux seraient les locataires qui veulent protéger leur maison. Pour l'instant, c'est un peu mystère. J'ai l'impression que tout le monde va le détruire, mais pas de la même manière. Donc, j'en sais pas plus. Et alors, ce personnage donc, de Seiichi fait beaucoup penser à Ushu Totora avec sa sorte de lance qui sort de son corps. Son corps et la lance. Donc voilà, il y a des passages vraiment stylés. Voilà, je vous montre quelques passages qui dépotent vraiment bien. L'histoire part à 2000 à l'heure. Vraiment, ça commence, on n'a même pas le temps de souffler. T'as les bulldozers qui arrivent, qui détruisent ce bouteille, ça répond, ça va dans tous les sens. À un moment donné, t'as un avion qui apparaît, il dit, mais attendez, l'avion, il a disparu il y a 45 ans, c'est bizarre ce qu'il y a dedans, c'est pas normal, etc. Enfin, l'auteur, il balance tout
Il balance tout. T'as même pas le temps de souffler, t'as pas le temps de réfléchir. Et après, c'est dans les délires qu'il a habituellement de faire. Hein. C'est vraiment de balancer plein d'informations, de crème lumière qui a l'air déjà assez foisonnant et qui, je pense qu'il est déjà en train de mettre des petits des indices sur la fin du manga. En plus, c'est ce que j'ai cru comprendre lors d'un live de Mangetsu. Il y a plein d'indices sur la fin du manga, mais c'est comme Karakuri Circus ou Moonlight Act. Hein. Moonlight Act, au tout début du manga, on suit Gecko et sa copine, enfin son ami d'enfance, et il est tout le temps de parler du fait qu'elle a un petit copain et que ouais, c'est son petit copain, il est comme ci, son petit copain, il est comme ça. Quand le petit copain arrive, tu te fais, ah ouais, en fait, depuis 30 tomes, tu nous teases ton petit copain, ok, c'est un délire. Donc là, c'est pareil. Je suis sûr qu'on a plein de petits trucs qui sont mis de côté, placés comme ça dès le début, et qui vont prendre du sens dans 10, 15, 20 tomes. En tout cas, voilà, je suis assez confiant par rapport à ça. J'ai hâte d'en découvrir aussi un peu plus sur les personnages. Et alors, voilà, il y a des super scènes d'action. Genre, il y a des double pages qui dépotent. Alors, c'est dommage que ben, on n'ait pas d'édition numérique, comme le dit Capsule Manga, parce que bah. Là, tu vois, moi, ce genre de page, bah, forcément, je la retrouve. Ah, bah, par exemple, il y a cette page. J'ai pas cette page-là, je sais pas si je l'ai retrouvée. Et bah, le petit souci, c'est que bah, forcément, ça sera. Même si le papier est relativement souple, bah, ça sera quand même coupé par le fait qu'on aura l'image. Il y aura la reliure. Bon, c'est pas non plus excessivement grave, mais je retrouve pas la page. Et en tout cas, ça dépote. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome. Mais le manga est à l'air ouf, oui, il est complètement fou, hein, moi, en termes de dessin. Et alors attendez, je ne vous ai pas encore montré le meilleur. C'est que, comme je l'ai dit, le manga a un petit côté horrifique. Chose qui est un peu présent dans les œuvres de Kazuhiro Fujita, mais c'est plus dans son style où il dessine les passages avec des faciès complètement fous. Quand les passages sourient, ils font peur. Mais c'est dans son style. Là, il est vraiment sur un truc où le Subutai a quelque chose de mystique, de paranormal, et il joue un petit peu avec l'horrifique. Genre, voilà. T'as une gamine qui apparaît, on lui tient la main et bam, ses bras ils font 4 mètres de long. Alors là, bam, on dirait un holo dans Bleach, ça fait super peur. Voilà, il y a des personnages qui pissent le sang. Voilà, en termes de dessin, là il se fait plaisir, on est vraiment plus dans l'horrifique. Voilà, la première apparition de Seiichi, donc le personnage en couverture, où là il fait vraiment super peur. Et là tu sens que c'est, on dirait, une momie qui vient de se réveiller, qui veut te bouffer parce que c'est une goule. Voilà, il y a des petits passages vraiment hyper effrayants. Il y a même. Des passages qui font limite penser à du Junji Ito. Là, moi, ce passage où t'as le gamin Seiichi qui est au milieu de nulle part, qui est au milieu d'une maison et qui a des sortes d'ombres avec des visages qui l'entourent, on se croirait dans une histoire de Junji Ito. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce que le manga propose. C'était vraiment une très bonne lecture. Maintenant, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de l'édition? Parce que. Je vais prendre un petit peu mon bâton pour taper. Mais en même temps, Mangetsu, je vais pas être. Alors, je vais me faire un petit peu à boire. Excusez-moi, parce que j'ai soif. J'ai la gorge en feu. À force de parler, 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 parler. Donc, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, mais ce tome-là de Sous-Bouteille est très grand. Il est plus grand qu'un manga classique. Par rapport à Holy Land, c'est beaucoup plus grand. En fait, c'est un format Dragon Ball Perfect. C'est le même format qu'un Perfect, et c'est même le même format que les Karakuri Circus. Voilà, c'est vraiment un grand format. Un format, entre guillemets, Perfect. Sauf que c'est un manga en édition, enfin, un format Perfect, mais ça reste un manga classique. Dans le sens où il fait pas comme un Karakuri Circus 300 et quelques pages, c'est pas un papier blanc immaculé comme on l'a pour un Dragon Ball, il n'y a pas les pages couleur, c'est un manga comme un Holy Land, comme un tome de One Piece en fait, c'est un manga un classique, dans un format certes plus grand, alors c'est hyper appréciable d'avoir un grand format pour apprécier les œuvres de l'auteur, mais comme beaucoup de mangaka qui ont une petite patte graphique, c'est toujours hyper agréable d'avoir voilà, un grand format pour apprécier les dessins. Maintenant, est-ce que c'était pertinent d'avoir ça? Parce que si dans 5-6 ans, l'édition perfecte de Sobuteil, cette édition, elle aura quoi de. Enfin, à part le fait qu'elle aura pas les pages couleur, elle aura quoi de moins? Enfin, c'est assez bizarre de faire ça. Je comprends la logique de vouloir dire, ouais, on veut proposer le manga dans des pages les plus belles possibles. Enfin, le grand format, j'aime dire que Tetsuo Ohara, l'auteur de Okutonoken, moi je trouve que les dessins de cet auteur-là, on les apprécie encore plus dans un grand format. Moi, les Okutonoken en édition de luxe, les gros pavés immenses,
je trouve qu'on redécouvre le travail de Tetsuo Ohara dans ce grand format. Donc pourquoi pas l'avoir fait pour Keiji et pour Ikuza no Ko ou Stand No Ken? Voilà, donc je trouve que cette. Et en plus, Mangetsu, qui sont un peu les rois de la fabrication, qui sont toujours en train de se vanter, oui, on fait du fanny sélectif, oui, on fait du marquage à chaud, il n'y a rien. Ce bouquin, il a rien. Alors ouais, il a une super couverture, il a un super logo, etc. Très bien. Ils ont beaucoup parlé du logo, mais c'est tout. Là, c'est un tome classique. Il n'y a pas un vernis sélectif, il n'y a pas un effet de fabrication, il n'y a pas une page spéciale, il n'y a pas un marquage à chaud. J'ai l'impression qu'on l'a mis en grand format pour justifier un prix de 9,95 €, donc on va dire 10 €, sans proposer une édition numérique. Pour ceux qui voudraient se dire, ouais, je veux lire le manga, mais j'ai une tablette qui fait 3 mètres de haut sur 2 mètres de large, hein, je vise personne en commentaire, et donc je voudrais apprécier encore plus les pages en numérique. C'est un petit peu dommage, parce que j'avoue qu'à 9,95 €, est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je sais pas encore, mais c'est vrai que ça fait partie de ces titres où, bah, au moment, si mon budget devient ric-rac à cause de l'inflation, bah, les bouquins qui coûtent 10 balles et qui n'ont pas de raison d'être à 10 balles, je risque de les mettre de côté pour les lire plus tard. Land, il y a du bol, la série fait 11 tomes, mais c'est vrai que bon, Land, c'est pareil. Le titre est très bien, mais est-ce que c'est justifié de sortir un manga à 9,95 €? Bon, même si le premier tome fait quand même 350 pages, les suivants vont être plus petits. S'il reste à ce prix-là, ça fait un peu chier. Donc là, j'ai pas trop d'explications pour défendre Mangetsu par rapport à ce format-là. Enfin, mis à part voilà, les bouquins. En tout cas, ouais, moi, je sais pas, j'en sais pas plus, mais je continuerai, je dirai le tome 2 quand il sortira. J'ai hâte de lire la suite parce que ça reste comme une lecture qui est très plaisante. Voir Kazuo Fujita se lancer dans l'horreur pure, même si il y a eu de l'horreur pure avec le Black Museum, mais là on est vraiment sur des passages qui sont quand même beaucoup plus proches de ce que pourrait faire un Junji Ito que ce qu'il faisait avant. En tout cas, j'en reparlerai, c'est sûr et certain, mais c'est vrai que voilà, 9,95 €, je peux comprendre que pour certains la pile est dure à passer. Je pense que c'est plus pour la collection par rapport à Karakuri Circus, ils n'ont pas le droit apparemment. Alors ouais, caractéristique. Alors, mais c'est vrai que c'est super agréable hein, d'avoir voilà, les deux bouquins qui font la même taille, qui font le même format. Après, en plus, avoir redécouvert pour beaucoup Fujita dans ce format-là, c'est vrai que c'est hyper appréciable d'avoir le même format. Mais c'est vrai que je me dire, bah, au Japon, ils ont une petite édition. Ils ont un petit format, donc on aurait pu l'avoir le petit format aussi. Et si derrière tu proposes une édition numérique. Bah, c'est cool parce que toi qui as une tablette qui est super grande. Ça, tu rigoles, parce que ta tablette, elle est grande comme ça, donc toi, t'aurais un format encore plus grand. Ah, les droits numériques. Bah, peut-être. Mais après, je vais pas me faire des ennemis, mais il y a beaucoup d'éditeurs qui disent « Oui, ça n'existe pas, oui, c'est compliqué, oui, ceci, oui, cela. » Je pense qu'ils sont juste pas en vie. Parce que j'avais Kurokawa, je leur ai posé la question pour My Happy Marriage, quand l'anime était sorti sur Netflix, j'avais beaucoup aimé. Et donc ils avaient réimprimé, j'ai dit, est-ce que vous allez sortir le manga au numérique? On dit, ah non, ça, on n'a pas les droits. On a demandé, mais on peut pas. J'ai dit, ouais, mais les Américains, ils ont le manga en numérique. Pourquoi? Genre, pourquoi les Américains, ils ont le droit et pas nous? Genre, dites-le, vous n'avez pas envie. Alors, peut-être que c'est. Ils ont vraiment. Les Japonais ont vraiment dit non. Mais alors, ça serait assez incompréhensible que les Américains y aient droit et que nous, le premier marché du manga au monde après les Japonais, on n'y ait pas droit. C'est complètement con. Alors après, peut-être qu'il y a des histoires de bataille entre l'éditeur français et l'éditeur japonais, qu'ils n'aiment pas Kurokawa et qu'ils veulent le faire chier le plus possible. Je sais pas. Mais c'est vrai que 25 volumes gros format de 200 pages, ça fait bizarre. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est surtout une collection complète d'un manga classique. Voilà, et en plus, bah, tu dis format perfect, mais en fait, c'est un manga classique, mais en taille perfecte. Il n'y a même pas les pages couleur. Donc. C'est assez incompréhensible. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver. Alors, je vais jouer encore avec le diable. Excusez-moi. Hein. Juste essayer de retrouver. Si je trouve, je trouve une vidéo. Si je me fais striker par ça, franchement, ça serait ballot. Voilà. Est-ce que maintenant on va parler. Bah on a parlé de sous-bouteille.
Donc ce petit manga, on va parler. Ils auraient dû faire des tomes bas. Ouais, des tomes. Moi, alors, moi, encore une fois, des tomes doubles. J'en ai parlé la semaine dernière, je sais plus c'est pour quel bouquin. En me disant. Bah, c'était pour les. C'était pour Breakdown. Breakdown, t'as 12 balles. 11 euros. 11 euros. C'est-à-dire que Breakdown, il coûte 1 euro plus cher que Sous-Bouteille. Il y a 150 pages de plus, le même format. Et le papier, j'ai l'impression, est quand même de meilleur. J'en vérifie. Ouais, papier, c'est kiff kiff bourrico. Mais Breakdown, c'est quand même un bouquin de 300 pages. Moi, j'avoue qu'il m'aurait sorti un bouquin double de Sous-Bouteille, donc de 400 pages dans ce format-là. Bah, ils font quasiment le même nombre de pages, hein, les Karakuri Circus. Et tu me dis sur ça, allez, à 15 balles. Allez, vas-y, j'achète. Même si tu me dis que finalement c'est plus cher que d'acheter deux mangas à 7 euros, allez, vas-y, c'est 7 tomes doubles. La série, on l'a fini en 10 tomes. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis souvent dans les bunkos, enfin, avec ton équipe en bunko et dans tes lives. Hein, les éditions doubles, il y a que ça de vrai. Et Naban est un peu le précurseur par rapport à ça. Hein. Naban est un peu Vega avec Natsuko no Saké. Et Naban, quand ils ont sorti, alors eux, des rééditions, All Boy et Give Maria So Blackjack. Pour moi, alors, faut aussi que le format s'y prête, parce que c'est vrai que si c'est avoir des bunko, des éditions bunko ou Tacobon qui sont assez étroites, c'est pas forcément agréable à lire. Mais dans ce format-là, des bouquins de 400-500 pages, ça me dérange un peu moins, personnellement. Donc j'espère que les éditeurs vont se lancer là-dedans. Mais c'est vrai que ouais, ils auraient peut-être dû faire des éditions doubles, comme tu dis. Ça aurait peut-être été une bonne idée, en tout cas dans ce format-là. Après, on aurait perdu peut-être une dizaine de pages, une dizaine de couvertures de sous-bouteilles qui sont sûrement très jolies. Après, à vérifier, parce que si ça se trouve, il y a des couvertures qui sont très très moches. On va regarder ça tout de suite maintenant. Putain, je pensais que la série faisait 20 tomes, mais en fait, non, elle fait 25 tomes. Putain, dans l'enfer. Ouais. Il y a des couvertures qui sont jolies, mais voilà, il y a des couvertures qui sont pas non plus incroyables. Mais c'est vrai, au pire, hein, tu fais une couverture recto et une couverture, tu mets la couverture A et de l'autre côté, tu mets la couverture B, ou tu mets en première page, tu mets la couverture sur la première page ici, voilà, la première page qui est jusque-là. Ouais, il y a moyen de faire un truc. Peut-être que, ouais, mais en tout cas, je pense que, comme tu dis, hein, l'avenir, c'est peut-être les éditions doubles, comme font les Espagnols et les Italiens, si je dis pas de bêtises. Ouais, en tout cas, il y a 25 tomes à venir, ça va être long. Ouais, pour la. Mais je suis complètement d'accord. Tu mets une page couleur, là, tu mets la couverture du tome 1 là, t'ouvres, t'as une page couleur glacée, t'as la couverture du tome 2, comme ça t'as les deux couvertures si tu veux regarder. Alors après, c'est sûr que t'es obligé d'avoir cette couverture là comme couverture pour le tome, mais voilà, au moins t'as tout. Non, ça peut être agréable, ça aurait pu être une solution. Alors après, est-ce que les Japonais sont enclins à faire ce genre de choses? Je ne sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Et le problème, c'est que Fujita, faut être sincère, hein. C'est pas l'auteur qui va vendre des milliers d'exemplaires. Ouais, on va regarder. Manga Collect. Manga Collect. Alors, si Manga Collect se réveille. Et surtout, tu divises le temps de sortie. Bah oui, parce que là, 25 tomes. Même si là, le prochain tome, il sort quand? Il sort quand le tome 2 de Sous-Bouteille, le 50. Il sort dans 2 mois. 50 mois. Mais imagine 50 mois. Tu divises par 12 dans 4 ans. La série, on aura la fin dans 4 ans. En 2028, on a la conclusion de la série. Peut-être même 2029, s'il n'y a pas des retards. C'est long. C'est long. C'est une série qui est terminée au Japon, qui a autant de tomes. En plus de ça, on n'en parle pas. Mais je sais que Twizzitor, c'est un truc qui est un. Alors, c'est une règle et c'est aussi une théorie d'éditeur. C'est qu'au fur et à mesure qu'une série est publiée, tu perds des lecteurs. Parce que forcément, il y a des gens, ils ont raté une sortie. Ou ils disent, oh, ça me saoule, la série m'intéresse plus. Oh, machin est mort, oh, je veux plus lire la série. Et donc, tu perds au fur et à mesure du temps des lecteurs. 25 tomes, tu auras combien de lecteurs qui vont aller jusqu'au bout, qui seront là au 25e tome? Peut-être pas forcément tous les premiers. Tu dis que tu en sors 12 ou 13. Ben, allez, dans 2 ans, c'est fini. En vrai, dans 2 ans, c'est fini. Là, ils auraient sorti les éditions doubles. L'année prochaine, on était déjà à la moitié de la série. L'année suivante, c'était fini.
Les seuls qui ont bien compris le truc, c'est Meian. Avec leur système d'abonnement, on sort 4 tomes tous les mois. Alors ouais, il faut assumer financièrement, mais regardez, Kingdom, on a la série complète, c'est sorti en 2 ans. Et il y avait 70, il y avait 60 tomes à l'époque. Et c'est impressionnant. Donc voilà. Ah oui, j'ai aussi acheté, j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai acheté Concubine Rebelle en numérique. On en parlera la semaine prochaine. On fera une spéciale mariage. Parce que la semaine prochaine, on va parler de Concubine Rebelle et on parlera de la mariée de Bretagne. Vous allez voir, ça va être drôle. Donc Sous Bouteille, tome 1. Tome 1. 651 gens, personne ne l'ont acheté. Donc il y a 1700 personnes qui le suivent sur Manga Collect. Il y a un tiers qui l'a acheté. Et le manga est sorti il y a déjà 2 semaines. Il y a une semaine. Ça fait peu parce que, bah, en plus, je sais que souvent le gros pic, c'est la première semaine d'achat. Après, ça stagne un petit peu. Donc là, globalement, on va dire, même si ça représente 10% des lecteurs, Manga Collect, ouais, ça fait que 6 000 personnes qui l'ont acheté, c'est pas incroyable, hein. Enfin, si, 6 000, je crois que c'est quand même pas mal. Mais je sais pas combien ça représente par rapport en termes de vrais chiffres, mais là, je vais regarder par rapport. Alors maintenant, je vais pas comparer, enfin, je vais comparer à Land, mais est-ce que Land a fait plus ou moins de ventes, a fait plus ou moins de ventes? Ouais, 1589. Bon, après, Land, ça fait déjà 2 mois que c'est sorti. Mais voilà, tiens, je vais comparer à Bretagne. Marie de Bretagne. Sorti la semaine dernière aussi. Bon, après, je pense que le titre n'a pas fait beaucoup de ventes. Ouais, 206. Bon, c'est encore pire. Mais ça, c'est vraiment une petite sortie. Hein. C'est vraiment une sortie qui est complètement passée à l'anonymat. Ouais, je trouve que Sous Bouteille, 600, ouais, 650 personnes qui l'ont dans leur collection, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si incroyable que ça. Tiens. Après Crescent Moon, ça fait combien Crescent Moon? Je suis juste curieux. Ouais, 820. Après, ouais, Crescent Moon, c'est pareil, hein, c'est pas. Mais ouais, j'espère juste que la série va. Enfin, moi, j'espère juste que Mangetsu va pas faire la même connerie qu'avec Tetsubara. Oh, ça se vend pas bien. Oh, on augmente les prix. Ok. Mais ça veut dire que les gens qui l'achetaient vont peut-être plus avoir envie de l'acheter parce que ça coûte trop cher. Surtout que, bah, en plus, Tetsubara, ils ont fait des effets de fabrication sympathiques, avec cette couverture en papier spécial. Bah ouais, mais au bout d'un moment, faire que des effets de fabrication de fou, si ça vous coûte trop cher, bah, faut pas le faire toujours, hein. Là, Sous Bouteille, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est juste un grand format pour être un grand format. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer. Ah, j'en ai parlé en début de vidéo. Ah. Les Fils del Topo. Je sais pas si vous connaissez, c'est une BD de Alejandro Jodorowsky et de Ladrón. Alors, petit. Alors, en fait, cette BD, c'est la suite d'un film. Alors, je vais poster la. J'espère juste ne pas avoir de strike de la part de YouTube. Pourtant, je poste que l'image. C'est un film qui a 50 ans. Franchement, si je me fais strike pour ça. Enfin, s'ils mettent un mec vient. Piquer le pognon pour ça, c'est vraiment un voilà. Je dirais pas le mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, c'est un film réalisé par Alejandro Jodorowsky, donc le scénariste de Incal, La Casa de Metabaron et plein d'autres BD, qui est sorti en 1970 au Mexique. C'est un film qui fait 2h05 et on va suivre le pistolero énigmatique El Topo, qui sillonne des territoires hostiles avec son jeune fils. Donc, complètement nu qu'on voit au tout début du film. Il va affronter différents bandits à travers des routes et il va délaisser son fils pour une belle jeune femme nommée Mara qui va lui dire hey, « Hé, dans ce désert, il y a quatre grands maîtres du pistolet, tu dois être plus fort qu'eux, tu dois les vaincre. » Et donc, El Topo va parcourir le désert, va affronter les quatre grands maîtres du pistolet et ça va être une sorte de grande quête métaphysique. À la fois spirituel, mystique, étrange, bizarre. Et donc ça va être toute une rencontre de gens complètement what the fuck. C'est un film qui est très, très, très bizarre. Alors pourquoi j'en parle? Parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, va sortir une vidéo sur la caste des Métabarons. Et donc, pour l'occasion. Je suis en train de me. En fait, je suis quasiment à la fin du montage.
Il manque quelques passages, et en fait, pour ça, c'est des passages qui sont issus des films de Jodorowsky que je veux mettre. Et je me suis dit, oh, je sais les passages en question que je veux voir, mais tiens, j'ai envie de revoir les films, surtout que El Topo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que j'aime beaucoup le film, et qu'il y a une BD qui s'appelle Les Fils d'El Topo, qui est la suite du film, dont j'ai jamais lu la fin. Parce qu'entre le tome 2 et le tome 3, il s'est passé 3-4 ans, que quand j'ai acheté le tome 3, j'étais pas dedans, et je me suis dit, je vais attendre d'avoir envie d'être dans le mood. Et donc là, je me suis vu le film, je me suis dit, allez, derrière, j'enchaîne les trois tomes. Donc je me suis vu le film en début de semaine, j'ai enchaîné les trois tomes, et je me suis dit, bah, je ferai sûrement jamais une vidéo sur les fils d'El Topo, autant en parler aujourd'hui en live. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de lecture, sous bouteille, j'ai pas parlé pendant 3 heures. Donc autant vous parler des fils d'El Topo ici en vidéo. Comme je disais, c'est la suite. Alors c'est une suite un peu bizarre parce que le... Alors, je vais venir un peu sur le contexte. Donc c'est la BD, c'est la suite du film qui est dessinée par Landro, Ladron, je sais pas, avec les deux points, je sais pas comment ça se prononce, qui était donc le dessinateur de la suite de l'Incal, Final Incal, ou Après l'Incal, mais en fait c'était Après l'Incal, c'était le nom quand c'était Mobius au dessin. Ça s'est terminé sans se terminer, et donc Lodron a redessiné le tome 1, puis a fait le tome 2 et 3 de Final Incal, qui fait aussi appeler Après l'Incal quant à l'édition avec Mobius, mais voilà, c'est juste pour l'information. Et donc voilà, et donc c'est une série en 3 tomes qui porte les noms des fils d'El Topo. El Topo a deux fils, le premier s'appelle Caïn, le second s'appelle Abel, et le troisième tome s'appelle Abel Caïn. Alors, quand on connaît les travaux de l'auteur, etc., et qu'on a lu le tome, on comprend maintenant pourquoi le tome 3 s'appelle Abel Caïn. J'en dirai pas plus, mais ça peut spoiler des gens. Je pense qu'au vu du titre, vous avez compris de pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, c'est assez particulier parce que, aussi, l'auteur donne des noms aux personnages, ce qui n'était pas le cas dans le film. Parce que dans le film, El Topo a un nom, il s'appelle El Topo. Et le reste des personnages s'appelle juste machin, bidule, truc. Genre, les quatre grands maîtres du désert, ils s'appellent maître 1, maître 2, maître 3, maître 4. Il y a un personnage qui s'appelle le colonel, son nom à la fin du générique s'appelle le colonel. Même la femme qu'il rencontre, elle s'appelle juste la femme blonde. Ses enfants s'appellent le fils de El Topo, etc. Et donc là, ils prennent des noms bibliques. Abel, Caïn, donc le premier tueur et la première victime de la Bible. Il y a d'autres personnages issus de la Bible dans l'histoire, enfin, en tout cas qui ont des noms, on va dire, bibliques, chrétiens. Il y a ben, déjà le fils cadet, Abel, a un oiseau qui s'appelle l'ange, et son fils Caïn a un cheval qui s'appelle Lucifer. Il y a un personnage qui apparaît dans le tome 2 qui s'appelle Lilith. Voilà. Donc il y a un petit délire, on va dire, biblique. Et religieux qui n'était pas forcément dans l'œuvre d'origine. Alors, dans le film d'origine, il y avait quand même un côté où El Topo, évidemment, est une sorte d'illumination et devient une sorte de figure christique. Mais il y avait jamais le truc genre tuer Jésus, tuer machin truc, même si tu sens quand même cette métaphore par rapport à une sorte d'envoyé de Dieu, de saint, etc. Le fait que El Topo devienne, on l'appelle à un moment, on l'appelle le saint, etc. pendant tout le film. Et qu'à la suite de ça, bah. On l'appelle encore le saint. Le bouquin aussi commence avec un petit avant-propos de l'auteur qui explique qu'il a filmé ce film, il a fait le film dans les années 70, qu'il n'a jamais réussi à le diffuser, qu'il le diffusait dans un cinéma à minuit, qu'il diffusait des films porno, et qu'au fur et à mesure le film a eu un petit succès, mais qu'il n'a jamais pu faire la suite, et que c'est que récemment, quand il a rencontré Ladron, qui s'est dit, hey, viens, on fait Les Fils d'El Topo en BD. Et donc là, il fait la BD en 3 tomes. Donc qui est la suite du film. Et alors, on nous dit oui, ça peut être lu de manière indépendante de la BD. Enfin, la BD peut être lu indépendant du film. Je trouve quand même qu'il faut avoir vu le film pour avoir au moins savoir qui est El Topo, même si on t'explique vite fait au début de l'album, tome 1, on te remet le début du film, enfin la fin du film, même si en plus de ça, on te modifie des choses parce que par exemple. On nous dit au début du tome 1 que le fils aîné de El Topo a été maudit. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que il est maudit, et donc il a une marque au visage, et cette marque, ça fait que les gens ne le regardent pas. Alors, le mec, il se balade, il parle à tout le monde, les gens, ils font. Il l'ignore. Il arrive.
il baisse la tête, il ferme les yeux, personne ne le voit, personne ne lui parle. Et le mec, pendant 15 ans, c'est comme ça. Sa fille, c'est. On suit ça. Parce que l'histoire se passe 15 ans plus tard, parce que à la fin du tome du film, El Topo a un deuxième enfant qui vient juste de naître. Et donc là, dans l'album, il a au moins 10-15 ans. Il est adolescent. Donc on se dit qu'il s'est passé au moins 15 ans entre le film et le tome 1. Voilà, donc il y a cette différence-là. Donc là, au début, il rencontre une fille, il veut la violer, etc. Et la fille, elle dit non, je ferme les yeux. Il fait, bah, tu fais quoi, tu me verras pas, mais tu vas me sentir. Alors, il y a beaucoup de passages qui sont assez crus, assez violents. C'est pas pour tout le monde. Et à côté de ça, on va suivre. Alors, déjà, la page est un peu floue, j'ai raté la photo. On va suivre l'autre fils de El Topo. Alors, c'est bon, c'est qu'en plus, les fils d'El Topo ont vraiment un visage assez particulier. C'est que le fils aîné a l'apparence d'El Topo au début du film, quand c'est encore un scélérat. Et c'est un personnage qui est assez méchant. Et son deuxième fils a l'apparence à la fin du film, quand c'est un saint. Et donc il est chauve. Et donc ce qui va se passer, c'est que c'est surtout l'histoire va commencer d'abord avec le fils aîné. On va suivre sa vie en tant qu'homme invisible. Et on va suivre ensuite son deuxième fils, qui lui vit avec sa mère, qui va me décéder. Il dit, s'il te plaît, ramène-moi auprès de ton père, enterre-moi à côté de son corps. Son père étant devenu une sorte de figure christique où il y a des menhirs en or qui ont poussé et les gens veulent essayer d'atteindre les menhirs, mais El Topo les foudroie parce qu'ils ne sont pas purs. Et donc il dit, bah, demande à ton frère de t'aider parce que le chemin va être long et douloureux. Et donc on va voir les retrouver entre les frères. Le frère qui, bah, lui, fait tout pour se faire voir par les gens. Il y a une fille qui va le voir et qui va tomber amoureuse de lui. Et lui étant un méchant, il va l'abandonner, je crois que dans le tome 2, à un moment il l'abandonne auprès d'une secte chelou qui veut la violer. Et ils font oui, on va commencer le rythme du viol sacré. Le viol est assez présent dans l'œuvre, même dans le film, il y a quelques passages de viol. Et ce qui est marrant, c'est que bah, la fille est une vierge. Et quand les hommes essayent de faire leur affaire, on dit merde, j'ai l'impression de taper dans un rocher. Il y en a un autre qui dit, mais attends, je vais te montrer comment on fait. Il dit, oh purée, je la lave dans les. Quand je suis rentré, j'avais de la lave qui m'a brûlé la quéquette. On dit, ah, c'est une vierge, donc vous, elle est sacrée, vous pouvez pas la toucher. Et donc, à ce bar, c'est particulier, hein, c'est Jodorowsky. Il y a des scènes qui sont vraiment très très cool. Il y a des trucs complètement what the fuck. Hein, mais c'est un peu comme l'œuvre d'origine. Genre, à un moment, il rencontre une armée qui veut assiéger un fort qui est tenu par des nonnes barbues, qui sont donc des hommes barbus déguisés en nonnes. Voilà, c'est particulier, mais. Dans l'œuvre d'origine, le film, il y avait pareil. Il y a un passage où il tombe sur un colonel qui a quatre soldats qui sont sous ses ordres et qui féminisent des moines, qui les habillent comme des femmes et qui se considèrent comme des chiens. Et quand ils voient une femme, ils sont complètement what the fuck. Enfin, c'est particulier. Le film de Jodorowsky, genre là, il rencontre une armée qui est dirigée par un colonel qui se prend pour un chien et donc qui bouffe comme un chien, voilà, qui se comporte comme un chien. C'est très très particulier, il y a des dessins, enfin des personnages avec des looks assez particuliers. Voilà, il y a une pyramide casino au milieu du désert, voilà, c'est complètement what the fuck. Voilà, il y a des délires un peu Mad Max vers la fin, où quand ils montent sur un chariot, qui veulent atteindre les dernières contrées avant là où est El Topo, on se croirait vraiment dans un film Mad Max, surtout le dernier Fury Road. Quoi d'autre? Alors, c'est dit au début du tome 1, c'est que l'auteur a dessiné sa BD sous forme de trois bandes. Donc, c'est pour ça qu'on a tout le temps cette trois bandes avec des cases. C'est vraiment pour ce côté cinématographique, où vraiment, t'as des fois, t'as des passages où ça fait vraiment storyboard de film, où là, où t'enchaînes vraiment plan par plan, et tu sens vraiment que on sent le découpage pour un film, qui est vraiment très très cool. Alors, après, comme la BD était prévue pour être la suite du film, tu sens aussi que les trois albums forment une seule et même grosse histoire, enfin c'est une seule et même grosse histoire, mais c'est aussi, tu sens que c'est pas un album, une histoire, un album, une histoire, un album, une histoire, c'est trois albums, une grosse histoire, ce qui fait que le tome 1, c'est un peu l'introduction, la mise en bouche, la présentation des personnages, des enjeux. Le tome 2, on fait monter les enjeux, on fait monter la puissance. Le tome 3, c'est l'apothéose, c'est la bagarre finale, c'est la conclusion. Ce qui fait que le tome 1 est un peu calme, le tome 2 monte en puissance, et le tome 3 c'est l'apothéose, mais c'est aussi bah, celui où ça va très très vite, alors là on dépote, c'est vraiment très cool. Alors après, sans trop en spoiler, il y a des trucs qui sont très intéressants parce que t'as une inversion des personnages dans le troisième album où le fils d'El Topo l'aîné qui était un peu le connard devient de plus en plus gentil, là où le gentil devient un peu plus radical, un peu plus. Ouais, enfin, faut quand même. Qu'on atteigne la mission et en plus on le voit dans leur tenue,
Au début, le fils del Topo, lui, a une tenue de cow-boy, pistolero, et le fils cadet a une tenue de moine. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, tu vois que le cadet prend la tenue du frère et l'aîné, celui du cadet. Ils inversent leur rôle, etc. Ils deviennent un peu plus gentils. Et avec le titre Abelkain, on comprend qu'il va y avoir des choses qui vont se passer où leurs rôles vont s'inverser, etc. C'est vraiment très très cool. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Quoi d'autre aussi il y a des rencontres comme l'œuvre d'origine. C'est complet, oui. La BD est complète. Elle est en 3 tomes. Tu disais que ça peut se lire. Alors, l'auteur dit que ça peut. Enfin, les éditeurs disent que ça peut se lire sans avoir vu le film. Oui, enfin, oui, tu peux le lire parce qu'en fait, on te présente au tout début de l'album, on te met un peu le contexte de ce qui s'est passé avant. Donc, tu peux avoir un peu de matière pour comprendre. Après, les pages, elles sont tellement peu explicites que tu vas pas forcément tout comprendre au délire. En fait, c'est assez particulier. Bon, comme j'avais déjà vu le film avant, je me dis, ah, mais ça, c'est pas bien expliqué dans la BD. Mais en même temps, est-ce que c'est si important que ça de le savoir? Je sais pas trop. Donc, c'est assez paradoxal, en fait. Parce que. Là, tu vois le contexte où en fait, tu vois El Topo qui est là face avec son fils. Il y a des mecs qui sortent. En fait, tu sais pas trop ce que c'est. Dans la BD, t'expliques pas trop ce que c'est. Et on viendra pas dessus parce qu'en fait, c'est un truc dans le film qui est conclu et puis basta. Après, le film est très particulier. Hein. C'est le cinéma expérimental des années 70 d'un réalisateur mexicain. Ça reste encore son film le plus sympa parce que Les Montagnes Sacrées, je l'ai revu et c'est toujours aussi what the fuck et aussi impitable. Moi, j'ai du mal avec Les Montagnes Sacrées. Il y en a qui aiment beaucoup le film. Moi, je préfère El Topo, je trouve que c'est un peu plus intéressant. La BD est sympathique. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça reste tout de même, comme le film, une expérience un peu plus. Agréable, parce que le film, il y a quand même des. Genre, je vous remets quand même la bande-annonce du film pour ceux qui sont curieux, hein. Mais c'est spécial, hein. C'est très très spécial, hein. Dans les combats dans le désert, ils rencontrent les 4 maîtres, il y en a un qui vit dans une cabane avec des lapins. Il dit oui, les lapins sont en train de mourir. Voilà, le passage où il y a les moines qui se font déguiser en femmes par des cow-boys méchants, le moment où El Topo devient une sorte de figure sacrée. Il y a un mec qui se fait coiffer les cheveux avec des pieds. Il y a des plans qui sont assez particuliers. Bon, voilà, après, hein, il fallait attirer les gens. Il y a des trucs très très pas. Donc, c'est encore les soldats qui hurlent des femmes. Et alors, après, il y a un petit côté très cirque, parce que je sais que le réalisateur. Enfin, il y a des cochons qui sortent d'un temple et t'as un général mexicain qui est là. Enfin, c'est. Pourquoi? Ah oui! Et aussi un truc qui est un peu plus expliqué, qui est pas expliqué dans le film, qui est rajouté dans le bouquin, c'est que El Topo, c'est un pistolero voilà, qui est très dangereux. Et au début de la BD, on nous explique qu'en devenant un saint, il a créé un monde sans armes à feu. Qui est un truc qui est pas expliqué pour moi dans le film. Hein. Le film se finit, il devient un saint, il se sacrifie, il devient une figure, il meurt pour nos péchés, et c'est tout. Là, la BD rajoute beaucoup plus de matière par rapport à ça, mais c'est vrai que comme El Topo, c'est un peu la figure importante de la BD, enfin comme on parle des fils d'El Topo, si tu sais pas trop qui est El Topo, finalement, tu suis juste deux Lascars dans un désert, et c'est tout. Mais ouais, c'est très particulier, c'est très spécial, et alors c'est marrant, c'est que bah, en ayant... préparer ma vidéo sur la case des Métabarons. J'ai quand même analysé, comme j'ai lu pas mal d'œuvres de l'auteur, il y a quand même des thèmes qui reviennent. Et encore une fois, il y a des thèmes qui sont dans Le Fils del Topo, qui sont dans la case des Métabarons, qui sont dans d'autres œuvres, notamment bah, le titre du troisième tome. En ayant relu la case des Métabarons, il y a des trucs qui font grave sens. Mais je vais pas en dire trop. Et voilà, c'était une lecture qui était quand même très plaisante. Je pensais, parce que j'avais des bons souvenirs du tome 1, moins du tome 2. Le tome 3, il était très très bien. Et les trois tomes en eux-mêmes sont très très bien. Donc, en tout cas, tu disais que c'est. Ouais, en tout cas, c'était une très très bonne lecture. Moi, j'ai passé un très bon moment devant Les Fils del Topo. Alors,
Maintenant, rien à voir. J'ai envie de poster la vidéo un peu comme j'ai fait pour Level E. Et je me posais la question, est-ce que j'aurais pas donné un autre titre pour ce genre d'émission? Parce que autant, quand je présente un tome 1, avant ça s'appelait les mangas à chaud. Je dis, j'appelle ça un focus, donc un focus mangas. Voilà, je me focus sur un tome, etc. Je dis, tiens, le titre est assez percutant. Mais là, comme j'en parlais la semaine dernière, j'ai quelques séries qui sont dans ma palle, où c'est des titres à relire, et j'ai envie de présenter un peu l'œuvre dans sa globalité. Ça n'a plus rien à voir avec un focus manga, c'est donc j'aimerais donner un nouveau titre. Et là, le topo, si je dis focus manga, ces gens vont dire, mais c'est pas un manga son truc, c'est une BD. Donc il faudrait que je donne un autre titre pour quand je parle d'œuvre complète, un peu comme je viens de faire là pour les fils del topo, où je pourrais spoiler un peu plus. Donc je sais pas, si vous avez des idées de titres titres d'émission, je suis preneur. Moi je réfléchis. Au début je voulais dire rétro mangas, mais le problème c'est que c'est pas très rétro. Enfin, une série qui a 2 ans, ça paraît vraiment rétro. Tu connais la série policière The Shield de 2002 elle a 7 saisons. La série avec Vic Mackey, le monsieur chauve qui tabasse des gens, tu trafiques de la drogue, je te cours après et je te fous un fer à souder sur la gueule pour te marquer à vif. Ah ouais, je connais très très bien. Ah, The Shield, c'est une de mes séries préférées. Ça fait partie d'ailleurs. C'est une très très bonne série. Avec Forest Whitaker dans la saison 4 ou 5, qui est génial, qui fait un agent de la police des polices. Non, c'est très très bon The Shield, hein. Moi j'aime beaucoup. Dans le même genre, j'aime bien The Wire aussi. Et bah, du même réalisateur ou du même showrunner que The Shield, il y a Sons of Anarchy. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de Sons of Anarchy, focus BDS et comics. Tu sais que à un moment donné, j'avais un pote, il me dit, mais quand tu parles de manga d'animé, tu fais comment? Je parle pas d'animé, je parle d'animas. Mais c'est ça, comment je me suis dit, est-ce que je vais pas jusqu'au bout? Mais je réfléchis, en fait, c'est surtout différencier les focus, où je parle du tome 1, on va dire, de moments où je parle peut-être d'une série dans sa globalité. La semaine dernière, j'ai parlé de Level E, j'ai essayé d'être assez large, j'ai pas parlé que du tome 1, mais vraiment de la série dans son ensemble. Là, je vais essayer de me lire Boss ou Crève. Voilà, ce serait surtout dire qu'est-ce que j'ai pensé de la série dans son ensemble, les 6 tomes. Donc, il faut que je réfléchisse à une idée de nom d'émission pour différencier. Comme ça, il y aura les focus mangas pour ceux qui veulent lire le tome 1. Et il y aura un autre truc, genre. Faut que je réfléchisse à un titre. Et comme ça fera deux miniatures différentes. Ça évitera d'être tout le temps comme ça, en mode Yeah! Voilà. Je suis à saison 5, elle me stimule beaucoup intellectuellement. Ouais, bah, saison 5, c'est celle avec Forest Whitaker, si je dis pas de bêtises. Hein. Il reste 2 saisons. Et bah, en fait. The Shield. Normalement, je crois que voilà, il y a le. Voilà. Si ma mémoire est bonne. Voilà. Dans Sons of Anarchy, il y a le personnage de Vic Mackey qui apparaît. Et en fait, on nous a expliqué que l'univers de Sons of Anarchy et The Shield étaient connectés. Parce que c'est le même showrunner. En fait, c'est ce monsieur-là. C'est lui le showrunner. C'est un personnage qui apparaît dans Sons of Anarchy. C'est un des membres des Sons of Anarchy qui est tout le temps en prison. Et donc on le voit genre 10 minutes dans toute la série. Parce qu'en fait, bah, à chaque fois qu'il apparaît, c'est 30 secondes, il est au parloir. Il dit, ouais, faites ça les gars, c'est très bien. Je suis d'accord avec vous. C'est fini. Et donc voilà, c'est pour que le réal. Le showrunner apparaît de temps en temps, mais voilà, c'est pas son but principal. Ouais, l'acteur qui tu parles, il est en saison 5, il assure grave. Il apparaît dans saison 5 lui aussi? Bah peut-être, il me dit rien, Kurt Sutter, mais peut-être, hein. En même temps c'est lui le showrunner. Hein. Ah oui, Margot Desirian. Ah oui, c'est pas le mec avec... Ah oui. C'est le mec d'une secte, si je dis pas de bêtises, mais alors... ouais, bah je me souviens plus. Et ouais, c'est censé être Big Otto dans... Censé être, ouais, c'est un moment de savoir qui... qui a un œil poché, qui s'est pris une cicatrice dans l'œil, etc. Qui fait super peur. Qui est vraiment cool. Et donc c'est lui le showrunner de ces deux séries. Voilà. Je suis producteur. Non, producteur, voilà. Producteur. Et je vois qu'il a fait Bastard Executioner, donc peut-être qu'il est dedans aussi. The Death Note, voilà, il est dedans. Donc à voir. En tout cas. Ouais, The Shield et Sons of Anarchy, de très bonnes séries. En tout cas. El Topo, très très bien. Je sais plus s'il avait dit l'auteur, je crois que j'ai le mot.
Après, voilà, j'ai pas dit aussi, mais moi, Jodorowsky, je l'ai croisé une fois ou deux dans des conventions. Il faisait des masterclass, enfin des conventions, une fois au Salon du Livre, c'est sûr, et je l'ai vu une fois dans une conférence. Et c'est un produit de son temps. Le monsieur, c'est un je crois qu'il est chilien ou mexicain. Il a grandi avec un père qui le battait. Ça s'est expliqué dans son film récent qui est autobiographique, où son père le battait, donc il y a des scènes où il parle de ça. C'est un fan de tarot, il a été pote avec le mime Marceau, c'est un fan de Dali, il a fait des cinémas expérimentaux mexicains dans les années 70. Et il parlait du fait que pour lui, les films d'aujourd'hui, c'était des films d'idiots. Parce que lui, il fait des films de cinéma qui ont besoin de réflexion et de compréhension. Je suis pas forcément d'accord, parce que autant le topo, on peut y voir des sens de lecture autant qu'on veut, comme la Casa Metabaron, je trouve qu'il y a des niveaux de lecture qui sont assez impressionnants. Autant les Montagnes Hallucinées, pour moi, c'est juste un fapage bête et méchant. J'ai l'impression qu'il voulait juste faire un film compliqué pour être compliqué, et que je l'ai revu il y a quelques jours. T'as une demi-heure, trois quarts d'heure, tu suis un mec. Après, t'as 40 minutes où on te présente 40 personnages qui serviront à rien, pour ensuite avoir 10 minutes de trek dans la montagne. Je suis sorti du film, j'avais souvenir qu'il était pas bien, enfin que j'ai pas aimé plus que ça la première fois le film, je l'ai revu, et ben je l'aime toujours pas. Et en plus j'ai vu qu'il y a quelques jours il y avait une projection au cinéma, un cinéma parisien, à UGC, et ben j'espère que les gens se sont fait chier, parce que c'est pas un film que j'aime bien. Voilà, je suis désolé. La montagne sacrée, j'aime pas ce film. Voilà, c'est désolé, c'est comme ça. J'ai fini la série Lost récemment aussi. Dans les bonus, il y a Sean Ryan, le créateur de The Shield, le mec très humble. Et je voulais l'entendre dire que vous avez foiré votre fin. Lol. Moi, Lost, j'aime bien la fin. Moi, j'aime bien Lost. Je suis un des rares mecs à aimer Lost et à aimer la fin. Lost, la saison 6 est mauvaise, la fin en soi est bien, mais le cheminement est mal amené. La saison 6, c'est quand ça se termine où il jette la dynamite dans le. Dans le bunker qui est pas encore construit, hein, ouais. Mais la saison 6, c'est la saison un peu bizarre où il voyage dans le temps. Elle est un peu bizarre. Mais la saison, la conclusion en tant que telle, moi, j'ai pas détesté. J'ai jamais détesté la fin de Lost. Moi, j'ai trouvé bizarre. J'ai mis du temps à la comprendre, mais je l'ai jamais détesté. Parce qu'en fait, après, moi, j'ai eu du plaisir à regarder la série Lost, à la relire, à la revoir, à la revoir, découvrir des mystères, comprendre des mystères au fur et à mesure où on dit, ah tiens. Ça c'est bizarre, ah tiens, ça c'est bizarre, ah ok, ça c'est une explication. Et il y a 2-3 ans, attendez, je vais voir si je l'ai à côté de moi, je reviens. Bah non, je sais pas où est-ce qu'il est. Excusez-moi, parce qu'en fait, il y a 2-3 ans, voilà, j'ai retrouvé. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, mais en fait, il y a Didi Chenguidi, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il avait écrit un livre en 2020 déjà, ça fait 4 ans. Donc j'ai toujours pas vu la série depuis cette époque-là. Et en fait, il avait écrit une chaîne spéciale Lost. Et donc, à la suite de ça, écrit un livre sur tous les mystères expliqués ou non expliqués de la série. Et c'était sympathique. Moi, je l'avais pris. Il avait fait une super chaîne qui s'appelle Dharma Station 7. Je sais pas si tu connais.
Et il revient sur tous les mystères, et il explique. Alors ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo parce que bah je crois qu'il a. Je peux dire qu'il l'a abandonné, mais je pense qu'il est en train de préparer peut-être d'autres trucs. Mais en tout cas, c'était super intéressant et ça m'avait donné grave envie de me replonger dans l'univers de Lost à l'époque. Il y avait plein de mystères qu'il avait expliqués, il y avait quand même pas mal de choses. Et je pense qu'il y a encore des trucs à explorer. Mais je sais pas pourquoi il a arrêté pour l'instant. En tout cas, voilà, moi Lost, c'est une série que j'ai envie de revoir. Ça fait des années que j'ai envie de la revoir, mais c'est un peu compliqué. Là, je suis en train de me faire Avatar, la série Avatar, Last Airbender, Légende de Korra, etc. Suite à la série live sur Netflix. À la suite de ça, en plus, bah, j'ai déjà préparé un. Une fois que j'ai fini le marathon Garo, il y aura un marathon Avatar avec les comics qui est prévu. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je sais déjà de quoi je vais parler. Bon, il y a encore 3 semaines parce que dans. Il y a 3 albums, il y a encore 3 BD. Il mentionne le livre Les souris des hommes dans la série. Oui. Oui, c'est vrai. En tout cas, voilà. Donc je disais, ouais. Donc une fois que j'ai fini mon petit marathon sur Garo, donc il reste 3 albums. Donc c'est. Ils sont là. Normalement, c'est censé. Genre, j'espère que je dis pas de bêtises, hein. Sinon, Captain Manga va me taper. Donc, c'est ces 3 albums que j'avais achetés dans le coffret, enfin le bouquin plastifié pour les 25 ans de Cornelius. Donc, Cornigule, Un gentil garçon et Neige rouge. Pour moi, ce sont des livres de Garo, mais peut-être que j'ai une bêtise parce que c'était un pack Garo. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. Et donc, une fois que j'aurai lu ces 3 titres-là, ben, je vais parler des 6 albums de Avatar. Un par semaine, alors je vais être sincère, j'ai déjà fini la série d'animation Avatar et j'ai déjà bien entamé les comics. Et je préfère en parler une fois par semaine pour diluer ma lecture et vous en parler toutes les semaines parce que j'ai plein de choses à dire sur chaque album. Et alors en fait, il y a un truc qui m'a fait rire, j'en parlerai l'occasion quand j'en parlerai de l'album 6, mais en fait, attends, ici je retrouve Avatar, tome 6. Hachette, parce que c'est Hachette Collection qui a la série, le tome 6, on nous le présente comme l'ultime album, c'est marqué au dos, sur la quatrième de couverture, c'est l'ultime album de la série Avatar, etc., patati patata. C'est faux. Il y a un 7e album qui est prévu, qui est annoncé il y a moins de 6 mois. Donc ça fait un peu bizarre d'avoir, c'est un peu comme les Astro Boy de chez Kana, où on dit tome 5, série en 5 tomes. Après, ils ont sorti un tome 6, série en 6 tomes, ils ont sorti un tome 7, série en 7 tomes, et là ils vont peut-être sortir un 8e tome, ils ont marqué série en 8 tomes. C'est trop bizarre. Et donc là, c'est bizarre d'avoir un tome et marqué l'ultime dénouement de la saga. Et en fait, non, pendant 4 ans, il n'y a pas eu de suite. Mais clairement, tu lis la BD, tu dis, mais merde, c'est pas fini. Mais voilà. En tout cas, j'en reparlerai dans 3-4 semaines. Ne vous inquiétez pas. Avatar, moi, l'adaptation live m'a chauffé. Je suis en plein de redécouverte de l'univers. Je parlerai par contre pas de la série d'animation. Il y a plein de gens qui le font. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent très bien de la série, qui ont vu des niveaux de lecture que j'ai pas vu, qui ont analysé des choses que j'ai pas analysées. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Là, en plus, j'ai vu qu'il y a un nouvel album qui va sortir, qui s'appelle Les Aventures Oubliées. Donc, qui a l'air d'être assez particulière, qui a l'air de raconter des choses qui se passent entre des histoires, des épisodes, que je prendrais peut-être, faut que je vois de quoi ça parle exactement, je suis curieux, mais pas impatient. Et par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, si je retrouve, c'est. Merde, comment il s'appelle? Voilà, Le Torpeur, j'ai pas encore fini sa vidéo jusqu'au bout, mais qui a fait sa critique de la série live et avec le recul et en ayant vu son point de vue, oui. Et en fait, le truc, c'est que je pense que j'ai beaucoup aimé la série live, mais ça faisait des années que j'avais pas vu la série d'animation. Et en revoyant la série d'animation, je me dis, je vois maintenant, je me rends compte à quel point, avec le recul, la série live avait quand même pas mal de défauts. Et là, sa vidéo, Le Torpeur, il y a des trucs où je me dis, ouais, moi ça me dérange pas plus que ça, mais je comprends. Le truc où je me dis ouais, il abuse un petit peu, mais c'est vrai que le côté, enfin, moi par exemple, le côté où il réexplique 4-5 fois la même chose, ça me choque pas plus que ça.
Parce qu'en fait, comme la série, à chaque épisode, on te remet tout le temps l'eau, la terre, le feu, le vent, les quatre éléments, etc. Bah, je me dis, ouais, forcément, ceux qui connaissent l'animation, la série d'animation, t'as 20 épisodes pour digérer le contexte. La série live, t'as que 8 épisodes, donc peut-être faut qu'on te réexplique 3-4 fois. Mais ça fait comme dire que le public à qui ils dessinent, c'est comme des gros teubés. Voilà, c'est au choix. Mais comme je connais l'univers, moi, ça m'a pas choqué de leur entendre 5-6 fois parce que je suis tellement habitué à l'entendre 5 à chaque épisode que, bah, pas plus choqué. Après, ouais, il y a des. Le jeu d'acteur, bon, c'est propre à chacun. Certains des effets de réalisation, c'est encore propre à chacun. Moi, ça m'a pas plus choqué que ça, mais bon. Voilà, mais en tout cas, il y a des trucs sur lesquels je fais, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas faux. Et donc. Mais bon, la série, je l'ai trouvé sympathique, mais c'est vrai que le seul effet bénéfique de la série, c'est que je vais me faire plonger dans la série d'animation. J'ai vu récemment Microbes et Gasoil, film de Michel Gombry, c'est pas mal, je lui ai mis 6,5, je le connais pas. Microbes et Gasoil. Microbes et Gasoil. Attends, il me dit quelque chose l'acteur. Il me dit quelque chose ce monsieur. Ouais, ou pas. Je ne connais pas. Après, Michel Gondry, ça me. Gondry, ça me dit quelque chose de non, mais là, je vois aucun film de lui. Ouais, ben, je l'ai vu aucun. Là, comme ça, j'en vois aucun qui me dit quelque chose. Après, je suis pas un grand cinéphile, hein. J'ai pas vu. Je vais un peu plus au cinéma depuis quelques temps, mais je suis pas un grand cinéphile. Même si bon, ben, j'ai vu quelques films qui m'intéressent, mais c'est plus parce que. Des fois je vais voir des films d'auteur, mais c'est plus parce que le réalisateur je le connais, ou j'ai déjà vu un de ses films et j'ai beaucoup aimé et je veux continuer à voir ça, ou parce que j'ai vu un retour positif et je suis curieux de voir ça. Voilà, globalement, sinon je suis pas. Je suis pas. Voilà, Jodorowsky, je vais pas me. S'il sort un nouveau film, je vais pas me courir à aller le voir parce que il y a beaucoup de ses films où je suis pas. Enfin, les quelques films que j'ai vus de lui, il y en a un ou deux que j'ai bien aimé, le reste c'est pas non plus des trucs. C'est pas des sinécures. Hein. Moi, je suis pas. J'ai le montagne sacré. Moi, je suis complètement hermétique au truc. Hein. Il y a des gens qui adorent. Moi, pas. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, il est bientôt 23 h. Ça fait 2 h 15 qu'on est en live. Bientôt, ouais, un peu plus de 2 h qu'on est en live. Peut-être que je vais vous quitter pour aller me coucher. Je sais pas si vous avez encore des trucs à dire. Dites-moi. Sinon, bah. On va pouvoir y aller, on va pouvoir aller se coucher. Je vois que t'étais pas Durandal, quoi. Non. Durandal, je trouve ça. Enfin, moi, Durandal, j'ai apprécié certaines de ses vidéos, pour pas dire une bonne partie. En fait, il m'a. Comment dire en fait, je suis pas cinéphile. J'ai pas fait d'école de cinéma, etc. Donc j'ai pas cette vision-là, mais c'est vrai que il m'a fait voir le cinéma d'une certaine manière, dans son analyse, d'analyser les choses, qui m'a ouvert, je veux dire, des chakras, on va dire ça comme ça, et qui m'ont servi aussi pour la lecture de manga, et de BD en règle générale. Moi, il y a des trucs où il y a des fois, il y a des. Que ce soit même des vidéastes sur YouTube. Où des fois il parle d'une certaine manière, tu fais ah ouais, tu vois l'art comme ça, il dit ah ouais, et là tu dis d'un coup, tu dis ah mais putain, mais ouais, même ça aussi tu peux le voir comme ça, et là d'un coup tu dis oh putain, intéressant. Soit en plus aussi des gens qui te font découvrir des œuvres, mais aussi des manières de voir les œuvres, c'est intéressant. Tu entends, moi il y a une esprit analyse qui est assez intéressant, alors des fois je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, clairement. J'aime beaucoup ce que fait. Merde, comment il s'appelle Pierre Pocasse du cinéma, j'aime beaucoup ses avis aussi. Bah, comme il fait des vidéos régulièrement, il présente des titres, bah lui en fait, ce qui est intéressant, c'est que grâce à lui, des fois il parle d'un titre, il dit ah oh, ça c'est sympa, ça j'aime bien, ah ça c'est un film un peu bizarre, etc. Vous allez voir, c'est chelou. Je dis, moi je suis curieux, et comme j'ai un pass cinéma pâté illimité, oh, je m'en fous, si le film il me plaît pas, bah, je me casse. C'est jamais arrivé que je me casse d'une salle. Mais quand tu dis, bon, t'as rien, le film, t'as pas payé plus cher que si tu. Enfin, je paye mon abonnement 20 € par mois. Si le film il me plaît pas, je me casse. Si le film il me plaît, bah, il m'a coûté 20 €. Si je vais en voir plus de 3 dans le mois, ça m'a coûté 7 € la place. C'est pas trop cher, hein, 7 € la place de cinéma. Hein.
Donc globalement, là je regardais, je crois que je suis déjà allé voir une dizaine de films cette année. Donc bon, sachant qu'il y a des fois où je vais dans des salles IMAX, parce que je me dis, voilà, le film Dune, je voulais le voir en IMAX, parce que c'était une dinguerie, et en IMAX, l'expérience était démultipliée. Mais voilà, je me dis, si je me fais un petit plaisir une fois de temps en temps, et oui, après pour venir, je ne suis pas Durandal. La montagne sacrée. Voilà, ouais. Bon. Ouais, ça fait 2h15 qu'on est en live. Je pense que moi je vais aller me coucher. Si vous n'avez rien d'autre à rajouter, moi je vais vous laisser. Et on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera un spécial mariage. Parce qu'on va parler de Marié de Bretagne et on va parler de La Concubine Rebelle. Donc deux titres que j'ai achetés en numérique, un chez Kurokawa, un chez Akata, une série en deux tomes, une série qui est pour l'instant en trois tomes au Japon et qui va avoir un rythme de publication qui va être très très lent. Et Kurokawa va encore pleurer comme quoi leur manga ils se vendent pas, mais en même temps, mec, tu sors une série. Merde, c'est pas Concubine Rebelle, Bretagne. Parce que Marié de Bretagne, je crois qu'il y a trois tomes au Japon, la série n'est pas. Je te conseille un film. Alors merci, c'était un plaisir. Bah vas-y, conseille-moi un film. La Marié de Bretagne. Enfin, la chronique de la Marié de Bretagne. C'est une série pour l'instant en trois tomes au Japon. Qui a commencé il y a un an. Ou deux. Qui a commencé en 2022. Donc là, en 2 ans, il y a eu trois tomes. Il y a eu, genre, le tome 1 est sorti au mois d'août. Le tome 2 est sorti au mois d'avril dernier. Et là, le tome 3 est sorti au mois de décembre. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu trois tomes en presque 2 ans. Et Kurokawa va sortir le tome 1 là, le tome 2 au mois à la Japan Expo, peut-être le tome 3 à la fin de l'année, et le tome 4 on attendra un an. Et on va dire, ah, oh, ça se vend pas. Bah ouais, forcément, les mecs ils sont repassés à autre chose en fait. T'as eu 3 tomes un an et le tome 4 est sorti l'année suivante. Bah les gens ils sont passés à côté. C'est Sons of Metal, si tu as aimé Whiplash, tu vas kiffer. Alors Whiplash, on en est parlé la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé. Donc j'irai peut-être voir Sons of Metal. Sound of Metal. Ok. Et ben, ça me dit quelque chose. J'ai dû voir l'affiche, mais je suis pas allé voir le film. Même si nomination aux Oscars, dont le meilleur film et le meilleur acteur. De la musique au silence. Ok. Il est percutant. Ok. Ben, en même temps, le héros a l'air de faire de la batterie. Donc, ça a l'air percutant. Voilà, Marié de Bretagne, j'ai peur que le titre, pour revenir à ce titre de Monsieur Junji Takehara, bah, moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'en parlerai plus la semaine prochaine, mais j'ai vraiment peur que voilà, la série rentre dans ce catalogue un peu oublié de Kurokawa parce qu'il y a eu deux tomes sur 6 mois, et qu'après, c'est passé à autre chose parce que bah. 3 tomes au Japon, pour moi c'est trop peu de tomes pour sortir un titre de manière régulière et pérenne. Genre, la série s'est terminée en 5 tomes au Japon. Je dis pas. Genre, t'as 5 tomes de Marié de Bretagne au Japon. Allez, tu dis, allez, tu sors, allez, ça y est, tu sors un tome tous les 2 mois, c'est bon. Là, il y a 3 tomes, ça n'a pas l'air d'être terminé. J'ai peur. Mais pourtant, le titre est très bien. Whiplash, grosse claque. Ah, moi, j'en ai parlé la semaine dernière, Whiplash. J'ai adoré. C'est même mon film préféré du réalisateur. Mon frère, il est plus fan de son film suivant, donc de Damien Chazelle, donc c'est La La Land. Moi, j'ai préféré Whiplash. Après, j'ai découvert avec Whiplash, donc peut-être que ça joue aussi. Hein. Mais j'ai découvert le travail du réalisateur avec Whiplash. J'ai bien aimé Babylone. Moi, avec mon frère, on l'appelle Babylon, parce que le film dure 4 heures. Donc on se dit, oh, c'est un film trop long, Babylon. Ah, il fait 3 heures et quelques le film. Mais il est très très bien. Et Whiplash, ouais, moi j'adore. Bah, j'ai découvert, grâce à. Merde, comment ils s'appellent ces gens-là? On va aller rigoler. Parce que Whiplash, je l'ai acheté sur YouTube. Bah, j'ai découvert avec Crying Fiction. Ils en ont parlé, Crying Fiction. Et je crois que j'avais déjà vu des extraits du film. Et la Crying Fiction, leur vidéo, elle est tellement prenante. Le montage, la manière d'écrire, l'écriture de leur vidéo, rien que la manière dont c'est réalisé, c'est une claque sans nom.
Je vous conseille vraiment d'aller voir leur vidéo. Et c'est super prenant. Et j'ai vu le film derrière. Et je me suis dit, oh, c'est trop bien. Et donc, ouais, je l'ai acheté sur YouTube. Comme ça, je peux le voir quand je veux. Et c'est trop, trop bien. Le film, c'est une pépite. Moi, c'est un film que j'adore. J.K. Simmons, il est génial. Mais plus que génial. Il est monstrueux. Je suis pas assez. Enfin, je connais pas assez sa carrière pour dire que c'est son meilleur film. Mais en tout cas, c'est le meilleur film que j'ai vu. Y a pas photo. Je l'ai jamais vu aussi possédé que dans Whiplash. Il est génialissime. Ah ouais, non, Whiplash, trop trop bien. Et oui, aussi j'en profite. Attends, est-ce que t'as sorti? Allez voir la super vidéo, je l'ai pas encore regardée en entier, mais voilà. Allez voir la super vidéo de Capsule Manga qui est ici avec nous. Qui a fait une. Qui a fini. Qui a regardé Je suis Shiko et sa suite. Je suis assez curieux de voir la suite de Je suis Shingo. Là j'avoue que j'ai hâte de voir. Alors est-ce que. Je me pose la question, est-ce que je relis Je suis Shingo avant? Et comme tu m'as en parlé, je pense que je vais juste revoir ta vidéo en entier et te voir suivre, re-suivre en entier l'œuvre de Kazuo Oemezu. Je suis assez curieux de découvrir la suite de Je suis Shingo. Là, j'avoue que ça me tarde, je vais mater ça demain, tranquillement, ou dimanche, en faisant mon repassage, je sais pas encore. De toute façon, je te laisserai un petit commentaire quand j'aurai vu la vidéo. En tout cas, là, j'en profite, je fais une petite pub, ça ne coûte rien. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit live. Comme je dis, on se voit la semaine prochaine. Après, je suis désolé, hein, là, comme je dis, hein, là, le mercredi, c'est Top Chef avec des potes, donc c'est compliqué. Je peux pas me dédoubler encore. Hein. Si je pouvais me dédoubler, je le ferais, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, comme le Top Chef, c'est sacré avec mes copains hein, depuis longtemps, on se le regarde. Oui, là, je l'ai acheté en DVD avec une brocante. Ah bah. Et ben, ouais, c'est sympa. Après, ouais. Je sais pas, est-ce qu'en Blu-ray, il se rendrait pas encore mieux? Après, c'est le genre de film où je me dis, putain, j'aimerais tellement avoir un système 5 points à la maison. Parce que l'entendre en 5 points, avec la batterie qui. Parce que la scène d'introduction, où tous les mecs ils sont en train de faire leur. Répéter les concerts, où je me dis, mais avoir un système 5 points, où t'entends la batterie à droite, le piano à gauche, les trompettes devant, les guitares à droite, oh, ça doit rendre tellement bien. Et bon, faut avoir un bon système 5 points à la maison. Mais un de ces quatre, j'investirais dans un bon système 5 points pour écouter des films. J'ai un beau canapé qui peut se transformer en lit. Des fois, je mate des films, je me mets en mode lit, je m'allonge de tout mon poids dessus et je suis bien. Alors là, je suis bien de chez bien. Mais voilà, là, il me manquerait plus qu'un système 5 points et là, je serais OK. Voilà, bah tiens, il est là. Merde, c'est pas mon truc. Victor. Ah oui, il s'appelait pas Panda quelque. Ah, c'est In the Panda, voilà. Ouais, qui fait ses vidéos. Pire podcast du cinéma. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il présente. Pareil, bah, comme je suis pas assez curieux sur le cinéma pour aller voir tout ce qui sort, bah, je regarde ses avis et quand vraiment ça m'intéresse, je vais voir. Sinon. Je passe mon chemin. Là, j'avoue qu'il y a un film qui m'intéresse fortement. C'est Vampire végétarien cherche jeune Suisse machin truc. Là, j'ai plus comment ça s'appelle. Vampire humaniste. Voilà. Parce que alors, je vais comprendre que le mot suit n'est pas très apprécié par Google, donc je préfère pas en parler. Et ça a l'air. Très très particulier, c'est un film d'horreur canadien. Bon, ça veut pas, j'arrive pas à afficher l'image. Mais il passe pas dans beaucoup de cinéma. Donc pour le voir, ça va être un petit peu compliqué. Non, l'autre film qui m'intéresse, c'est Bénédiction, je crois. Un film d'horreur. Et pourtant, je suis pas film d'horreur. Est-ce que tu attends Joker 2 avec Lady Gaga? Pas plus que ça. Moi, je trouve que Joker, c'était un film qui s'auto-suffisait. Faire une suite, à voir ce que ça raconte. Dans la saison 2 de Squid Game, la série coréenne. Squid Game, c'est pareil, je trouve que la série s'auto-suffisait. Je trouve qu'elle a pas grand. Enfin, je vois pas ce que tu vas raconter de plus, en fait, à Squid Game. Enfin, pas refaire des jeux.
Je. Excusez-moi, oh, ça fatigue. Je vois pas trop quoi raconter de plus en fait, parce que la série se concluait. Donc moi je pense que se terminer comme ça se termine c'était très bien. Après, ce qui serait intéressant, alors, là je suis plus, mais je peux comprendre que ça serait une suite avec le personnage principal. Moi j'aurais préféré qu'il fasse une suite avec d'autres personnages qui ont d'autres réactions. Genre là où le héros ça serait un connard, ou un héros qui est trop gentil. Ouais, tu fais une saison, un nouveau groupe de personnages qui auront des réactions différentes. Ça serait intéressant. Là, je me dis, bah là, tu peux faire autant de saisons que tu veux parce que c'est un peu comme Koh-Lanta, où chaque saison, c'est des nouveaux personnages qui vont chacun réagir différemment. Alors, en plus, tu fais des épreuves différentes, c'est génial. J'ai juste que j'ai plus l'impression que ça, c'est un peu une sorte de course au succès. C'est genre, ah, ça a fonctionné, ah, ça a bien fonctionné, ah, Netflix, ils sont chauds, ah, bah, on fait une saison 2. Mais en fait, est-ce que c'était prévu à l'origine comme ça? Je ne suis pas sûr. Black Mirror, j'aime beaucoup. Black Mirror, j'aime beaucoup. Alors après, Black Mirror, c'est en dents de scie. Parce que Black Mirror, comme chaque épisode, c'est une histoire. Il y a des histoires qui sont excellentes. Et d'autres qui sont passables. Et il y a d'autres histoires où tu te dis, merde, on y est déjà. Parce qu'il y a des épisodes où tu te dis, bah, enfin, l'épisode, l'histoire où t'as les gens qui sont notés par rapport à leur like, et par rapport à ton like, t'as des droits, t'as droit à des avantages dans ton pays. C'est la Chine actuellement, hein. La Chine, t'as plus le droit, si t'as 5 sur 10 de gentillesse, tu quittes plus le pays. C'est n'importe quoi. C'est voilà. En tout cas, voilà, c'est. 23h, ouais, ça fait 2h30 qu'on est en live. Je pense que là, je vais vraiment pas tarder à vous laisser. En tout cas, voilà, c'était un super live. J'espère que vous avez apprécié le focus sur Sous Bouteille. J'espère que vous avez apprécié, je sais pas encore le nom, mais on va dire le focus sur les fils del Topo. J'essaie de trouver un nom d'ici mercredi. Et la semaine prochaine, on parlera. Je suis à la saison 2, je viens de commencer récemment. Ouais, bah, après, moi, Black Mirror, c'est. C'est comme si. Moi, j'appelle pas vraiment ça une série, j'appelle ça une série. Enfin, une série de téléfilms. Parce que c'est des épisodes d'une heure et demie, où il n'y a aucun fil conducteur, où t'es vraiment un épisode, une histoire. C'est plus ce truc où tu te le mates un film le soir, avant de te coucher. Tu bats toute la nuit parce que tu dis putain, imagine ton monde, il est comme ça, après, dans 2 ans, on est comme ça, etc. Et c'est sympathique. Moi, après, c'est pas le genre de truc où je les reverrai tous. Certains épisodes, je les reverrai parce qu'ils sont vraiment. Très bien écrit et très bien réalisé. Il y en a d'autres où je trouve que la technologie en elle-même est pas incroyable, parce que l'épisode en lui-même est pas mémorable, donc je n'aurais pas envie de le revoir. Mais Astin, vraiment, c'est un bijou pour les yeux. Voilà. Bon, il est 23h, moi je pense que je vais vous laisser. Voilà, donc, passez un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine pour Chronique d'une mariée de Bretagne. La concubine rebelle et sûrement d'autres choses, plein de lectures. On continuera Dragon Ball, hein, forcément. Là, ça va être la suite du combat contre Piccolo Daimao. On va parler de Neige Rouge dans le marathon Garo. Et on va parler de toutes les lectures que j'ai achetées cette semaine. Je vais profiter du week-end et de la semaine pour les lire. Pas grand-chose. Et voilà. Allez, bonne fin de soirée, bonne nuit, bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao.